Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Banter Blitz exceptionnel puisqu'il se déroulera sur la nouvelle zone de jeu Et c'est la première fois aussi que je stream avec le logiciel OBS Alors je suis un petit peu nerveux parce que j'ai fait des tests euh, un petit peu toute la journée Tout marchait bien, mais bon, vous savez, hein, c'est comme quand on est dans l'avion euh, Tant qu'il est dans le garage, on fait les tests et tout ça, euh, bon, il marche Mais après, quand il vole, bah, parfois, euh, ça marche pas Donc j'espère... J'espère que tout marche bien. Est est-ce que vous m'entendez, déjà Est-ce que si vous m'entendez, c'est quand même une, une, une très très bonne nouvelle. Salut Marie-Céline Salut Marco Salut Krusty, Salut Dinimous Salut Sipi Est-ce qu'on m'entend On m'entend Oh là là là, take fresh Mais qu'est-ce que... Est que, euh, est-ce que vous entendez Ah, le jingle, je pense que vous n'allez pas les entendre sur cette scène. D'accord, donc je vais mettre... Je vais me mettre... D'abord, je, je vais vous expliquer comment ça marche cette zone de jeu. Yes, tout marche bien, superbe. Est-ce que le son est bon euh, Parce que j'ai eu trop de problèmes hein, avec mon ancien logiciel, donc maintenant j'ai décidé de changer, avant les candidats quand même, euh, pour pas être en râle le jour des candidats. Mais euh, ça a l'air de marcher, ce qui est une très bonne nouvelle. Salut à toi ta dame. Alors je vais vous montrer comment on fait pour euh, challenger dans hein, la nouvelle play zone. Hop, je change de, de vue et je vous montre déjà, vous êtes là. Alors, vous êtes là, vous avez vos trucs et tout ça. Vous êtes sur Opera, évidemment, le meilleur navigateur au monde. Ouais, je pense qu'on m'entend là, ok, toujours. Vous allez là. Alors, si ça s'affiche pas, vous me le dites. Et euh, ensuite, je changerai la, la chose. Vous allez sur ça. Vous arrivez là. Euh, vous allez dans Custom Game. Partie personnalisée. Against User. Hop. Vous tapez... Le... Mon nom. Slatan 56. Vous attendez surtout... Ah ben non, mais moi je peux pas me défier. Alors, euh, vous voyez, il faut, il faut attendre, en fait. Il faut remplacer... Par exemple, Jules Moussa 1. Euh, et voilà, il faut remplacer le nom comme ça. Voilà. C'est ça, et ensuite, random classique, vous mettez le nombre de minutes, le nombre, l'incrément que vous voulez, et moi j'appuie sur le petit bouton là-bas, random, et ça, et il apparaîtra un, un, un appareillement complètement random. Un Impecc, c'est tellement clair, c'est fou. Techfresh, merci. Non C'est pas bon un, un si bel... Quoi, qu'est-ce que tu... Tu t'es auto-censuré, Marie-Céline, c'est mieux, ouais. C'est mieux. C'est mieux. Effectivement. Une si belle élocution. Hein. Un si belle élocution, ça marchait moins bien, Marie-Céline. Alors, sur quoi Je reviens sur. Hop, New Play Zone. Hop là, je suis là. C'était euh, le fameux euh, banter entre Jules Moussard et euh, Rikiki, notre ami Maxime Lagarde, le champion de France, qui s'est terminé 16 à 5 pour euh, notre ami Jules, qui a été impérial. Alors, j'appuie sur ça et normalement. Accepte random challenge. Et voilà, et c'est là où je kiffe. Hop. Et donc je joue contre Chabedou. C'est incroyable. Le jingle a marché Rassurez-moi sur le jingle. Alors, et il a mis du 3 plus 2. Donc je sais pas, vous pouvez me défier en bullet, en 5-0, en 10 minutes même si vous voulez. Et euh, voilà. Alors pourquoi j'entends deux fois Ah j'entends deux fois parce que là-bas. Ah d'accord, je vais fermer. Hop. J'entends deux fois parce que ça n'allait pas. Hop, on va faire ça. Jingle, ok. Une déclaration, je crois, de la... Euh, un conseil. Un conseil confinement de la Fédération française des échecs. Jingle. C'est trois mois, on peut voir une personne dans la journée quand même, non ah, Oui, une personne, oui, mais pas Jules. Ah, pas Jules. <laughs> Il a raison. Il a raison. C'était, voilà, le petit, le petit conseil. Alors, B3. Le côté euphorisant de la touche random est un cadeau inattendu pour les développeurs. Ouais. Ouais, non, le côté. La touche random, euh, ouais, elle, elle moi, me, elle me plaît. Hein. Ah, vous voyez, là, j'ai 8 défis. Vous voyez le nombre de défis. Alors, euh, ben là, je suis pas mal. Hein. Il a mis le fou en D7. Il me donne le centre. Je suis quand même assez bien. C'est pas trop fort le... parce que j'ai pas baissé le son des coups. Dites-moi. Dites-moi si tout va bien ou pas. Apparemment random c'est le mieux, pas de favoritisme. Et ouais, et c'est fait pour les banters de nos champions, par exemple, pour euh, bah pour MVL, c'est vrai que parfois il passe la, la moitié de l'émission à dire euh, oui, je vais essayer de jouer contre toi, je vais essayer de jouer contre toi. Il appuie sur random. C'est terminé, il n'y a même plus de discussion dans le chat. Donc euh, voilà, c'est quand même le plus sympa. Tout est un Non mais euh, Florent, tu me fais une blague, c'est pas possible. Alors, parce que là, ça, ça paraît. Incroyable. Et regardez, alors, et regardez, je peux faire les flèches aussi. Ah, je fais la flèche comme ça. Je fais la flèche. Hop. Pourquoi ça s'est pas enlevé Normalement ça s'enlève quand il joue son coup. Regardez, je peux mettre les cases comme ça. Euh, alors attendez, je fais la flèche là comme ça. Ça marche plus. Ok. Et là, hop. Et je veux, la... je veux aller là. C'est bien, on a les flèches, hein. je suis hyper content maintenant, euh, je joue comme un petit fou. Ah bon, j'ai gagné une pièce évidemment, hein. donc chose promise, chose due, je joue cavalier E4, j'attaque ici, j'attaque ici. Il doit jouer fou E7 à mon avis, et non. Ah mais ça c'est... Comment ça se fait que cette flèche... Euh, elle me glisse des mains comme ça, donc là je fais échec évidemment, et regardez le fou. Ah il faut que j'appuie à chaque fois quand c'est sur mon temps. Et maintenant, je fais échec. Le roi est attaqué. Et oui, c'est fini. Alors, <laughs> on appuie. <laughs> le meilleur moment de la soirée, à répétition, on appuie sur le bouton random. Et si ça se trouve, il y a des vénards. C'est là où on va voir les vénards. Ceux qui vont jouer trois fois dans la soirée. Et ceux qui auront attendu pendant quatre heures et qui auront toujours pas fait une partie. Voilà, comme quoi, vous voyez, la vie est injuste. Donc ça compte pour le classement, euh, vous voyez là j'ai gagné un petit peu de. quelques points low. Ça compte pour le classement euh, de la nouvelle zone de jeu, c'est-à-dire ce sont deux zones de jeu qui sont complètement différentes. Donc c'est des nouveaux classements. Vous allez recommencer à zéro sur la nouvelle zone de jeu. Et accept random. Et Fito qui est là. Allons-y. Pat. Euh... Salut mon cher Blobix. Alors j'ai mis des nouveaux jingles. Hein. Il y a Krusty qui va être très content de celui-là. C'est une aubaine. <laughs> Moi aussi je suis assez content de celui-là. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Non, je crois que j'ai mis que cela. J'ai changé d'avis. Est-ce euh, euh, le... qu'on peut faire parfaitement confiance à l'algorithme Nous demande Marie-Céline. Alors par contre, euh, oui. Mais alors un saladier, moins quand même. Alors fou des 3 K 6 J'avais eu d'autres parties avec. Euh... Alors en plus, il force que je m'adapte aux nouvelles cadences. Il faut que je regarde à chaque fois ce que c'est parce que j'ai aucune idée de ce que c'est à chaque fois. Vu que c'est vous qui choisissez votre cadence. Il y a un jingle de Matos ou moi Non, je crois que Florent il vous regarde pas. Moi c'est Florent qui me les envoie. Hein. Ou alors Krusty à la grande époque. Mais Krusty il fait plus de jingle. Alors B3. Tiens, je fais G5 et on va faire. On veut faire ça. Ah, mais c'est pénible, ça. On veut faire ça, et ensuite peut-être ça. Et ensuite, euh, on va gagner la case... Euh, ben là, il a plus de, de cases pour son cavalier, là. C'était pas très malin, ce qu'il a fait, notre ami Fito Naguère. Je vais m'y remettre. Non, mais t'es pas obligé, euh, Krusty. j'ai un fournisseur euh, assez officiel, qui s'appelle Florent, et qui fait euh, du très très bon travail. Donc euh, pas d'obligation, pas mais bon. Tu m'as l'air légèrement hyperactif, Krusty. Mais bon, donc tu, 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 tu occupes bien tes heures dans la journée, j'ai l'impression. Alors, KD5, alors ça, ça marche pas du tout, parce que je suis pas obligé de prendre. Évidemment, si je prenais, il reprenait, et ça n'allait pas. Alors, là, je reviens tout simplement, et il a toujours pas trouvé de solution pour ce cavalier. Qui est perdu. Il a mis toutes ses pièces en prise. <laughs> Mais, euh, merci. Euh, on va lui mettre un petit jingle à notre ami Fito. On dirait qu'il est allé chasser euh, le requin avec un cure-dent. Il n'y a pas de ça. Alors. On va. Open and Disconnected et on appuie sur le bouton. Random. Alors, alors c'est quoi? C'est du 3-0 contre Avorton. A priori. Alors, comment se préparer à son premier tour à d'échec Ajax. C'est du online, hein c'est du blitz, hein donc euh, il faut de la pratique. Voilà. Prépare-toi comme ça, pratique, joue. Ça serait le, le principal conseil que je te donnerais. Alors, on va voir ce qu'il a sur la Vienna. Notre ami Avorton. Alors, c'est pas les mêmes zélos, donc je sais pas trop ce que ça donne ici. Ah, si, c'est normalement pas très bon parce que j'ai un peu le centre gratuit. Fou B7. Est-ce que je fais E5 ou pas mmh. Je vais faire dame 2. Je garde mon centre. C'est important d'avoir un centre comme ça. Oula. Faut que j'enlève mon téléphone à jeanne appel de quelqu'un qui ne me regarde pas. C'est très euh, c'est très 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 blessant, un, un petit peu blessant quand même. Euh, qui ne me regarde pas à cette heure-là. Un peu décevant. Alors, je vais voir si tout marche bien. Ouais, non mais tout marche bien, hein. c'est quand même assez incroyable hein, ce qui se passe. Sur pion prend, je vais faire je vais faire E5. Je vais faire. Alors Ouais, et là j'ai je, je, le potentiel 6. Donc, euh, sur. Euh, je sais pas trop ce qu'il doit faire. Soit ici. Soit ici. Mais. Ouais, c'est pas, pas évident. Alors il y a les deux open, on, on rappelle. Hein, nos amis de Sergi. Ils sont infatigables. Et. Ah, okay, c'est 6 Ok, tour d 1. Ok, on menace la dame. On prend la colonne. Et on va essayer de jouer l'initiative. N'oubliez pas, ouais, 17 et 18 avril. Et le 18, on retransmettra et je commenterai en direct. C'est à partir de quelle heure d'ailleurs, mon cher fou d'échecs, Le 18. Est-ce que tu peux nous donner les horaires J'ai oublié, moi. Est-ce que tu peux me donner l'horaire Parce que j'ai complètement oublié. Ouais, je joue sur l'initiative. Il peut faire, s'il fait petit rock, est-ce que j'ai fou prendre C6 euh, J'ai l'impression que fou prendre C6 gagnera une pièce. C'est mon impression. Le 18 avril, c'est ton anniversaire. Écoute, Olivier. Si on défie avec l'ancien système... Non, ça ne marche pas du tout, euh, Pecheka. Il, il faut venir sur la nouvelle zone de jeu. Si elle ne marche pas pour toi, il y a encore quelques irréductibles qui n'ont pas accès à la zone de jeu. Mais ce que j'ai montré tout à l'heure, je referai un point où je vous montrerai encore une fois comment, comment faire, défier, aller sur la zone de jeu, parce que certains ont peut-être pas remarqué, défier. Et euh, voilà. Et vous pouvez la tester entre vous. Et comme euh, vous voyez, hein, à droite, il y a le petit bouton feedback. Feedback, ce qui veut dire, euh, eh bien. Euh euh, ce qui veut dire retour, hein, retour, voilà, vous nous aidez aussi, c'est votre zone. C'est pas seulement la nôtre. Vous êtes ici, chez vous, évidemment. Et donc, voilà, les améliorations, euh, des propositions à faire, faut pas hésiter. Ça peut être souvent euh, euh, des choses qu'on peut voir, euh, dont on a envie. Parce qu'on a vraiment, euh, on a mis le temps, hein, <laughs> comme vous avez pu euh, le constater. Mais on a envie qu'elle soit vraiment bien, cette zone. Donc, ça serait dommage. Que vous ne donniez pas votre avis. On va faire kd 6 Là, j'ai n'ai pas cahier F7 quand même. Ouais, j'ai cahier F7. Cavalier... Oups, pardon Oula La gaffe La gaffe en direct. Alors là, je me suis déconnecté. Je vais revenir... ...vite fait. Oh Qu'est-ce qui s'est passé <laughs> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? <laughs> non, mais c'est une blague. J'ai fait quoi là? Ah, je savais, hein, ça commençait trop bien. Bon, je vais faire ça. Je suis désolé, on rejouera. On rejouera, euh... cher. Euh... Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je te réaccepterai. Je sais pas ce qui s'est passé. Erreur technique de. Mais je crois pas. Bon. Alors, échec et maths. Qui a gagné le tirage au sort. Donc allons-y. Allons-y contre échec et mat. Sur la nouvelle zone de jeu, il a dû jouer un petit peu. Ah, on a fait 0.5-0.5 sur cette zone, échec et mat. Oh là là, c'est fou ça. Ok, B3. Ok, donc ça, c'est pas très dangereux. Je vais faire G6. Et fou G7 ensuite. Et alors échec et mat. Qu'est-ce qui se passe On dort Il s'est endormi. Il s'est endormi échec et mat. Ok. Allez je rock. Ok je fais ça. ah, bien alors. Kd4. Okay, ok. Bon. Pourquoi pas On va faire ça. Fou, 2 deux. Alors, ça, normalement, c'est pas terrible. Un, un coup tout mou. On va faire ça. Dès que Fraisse serait dans cette position avec les noirs, j'en ai vu d'autres. Des belles poubelles. On va faire ça. Échec et math va te coller un théorème de Thalès, tu vas ne rien comprendre. Ouais, il va falloir, euh, va falloir forcer un petit peu. Même de Thalès, ça va encore. La Matrix, ça, re... la ça Non mais je crois pas. Pas de souci. t'avais déjà abandonné Aborton Ah bon Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, j'ai fait un mauvais. Euh... Je sais pas ce qui s'est passé. Là, je vous avouerai que. Alors, faut il faire... faut que je fasse attention quand même parce que j'ai un. J'ai une copie d'écran. Euh... Ouais, d'accord. Ok. Je vais pas faire ça. faut que je fasse très attention parce que c'est un peu dangereux ce setup. Parce que. Parce que j'ai copie d'écran intégrale. Donc en gros, si j'ai un truc qui pop-up de manière euh, impromptue, bon rassurez-vous, j'ai pas de. Pff, chaque homme a sa, sa petite part d'ombre, hein, comme on dit, mais bon, euh, moi c'est pas non plus. Euh, c'est pas foufou. Hein. Euh, donc euh, voilà, mais bon, c'est toujours un peu gênant. Alors là, je prends le pion. Et eh oui, la dame est attaquée maintenant. Ah, il a raté ça, échec et maths. Petite forme. Notre ami prof de maths. J'attaque la dame. On va mettre le cavalier là. Et euh, c'est déjà un énorme pion de plus, hein. C'est un pion central. Donc c'est très compliqué pour échec et maths. Tu m'as défié deux fois. J'ai deux fois plus de chance. Et oui, il faut modifier ça. Ah, très bonne question, fou d'échec. T'as pas répondu à ma question, fou d'échec Ah Ah si, il a répondu Ouais, il est très bon. Huitième de finale à 15h. Quart de finale à 16h20. Ok, donc c'est 15h. Que je puisse le... ...le programmer sur Chess24. 15h, ok. Début des hostilités à 15h. Je t'ai défié deux fois, j'ai deux fois plus de chance si oui, il oui, faut me dire, mais c'est très, très bien vu. Bah tu vois, c'est une question que je vais poser. T'as as pu me défier deux fois. Complètement hallucinant, nous dit Amaury. Écoute, je sais pas, moi j'y connais vraiment rien. J'y connais vraiment rien, alors est-ce que c'est si, si simple que ça Je ne crois pas, franchement. Est-ce que c'est si compliqué que ça Je ne crois pas non plus. Mais bon, je sais pas. On va faire ça. Ouais, si t'as pu me défier deux fois, parce qu'on peut défier à deux cadences différentes, c'est ça Hmm, ça c'est quand même. Ah euh... oh, il nous a eu, fou d'échecs. On va demander. Je vais demander. C'est intéressant. Bon, en tout cas, tout a l'air de bien marcher. Pour le coup, tu connais. D'accord. Salut, chère Lucie. Oh, tu me rappelles, il y a les candidats, hein, les candidats le lendemain du, du tour de Sergi, le 19. Les candidats, on va, on va vous préparer une petite surprise, je pense, pour vendredi soir. Avec une émission, euh, un petit talk show, une émission prédiction. Je pense que ça va être très sympa. On va s'amuser. Il y a une vidéo-série qui a été enregistrée par euh, moi-même, Yann Gustafsson et Peter Einonisen en anglais, qui va bientôt sortir pour nos membres premium sur les prévisions avec quelques analyses des parties, on note les joueurs sur les différents, euh, différentes catégories. Donc en tout cas, moi, je me suis bien amusé à le faire, et je pense qu'on fera la même chose en français avec un panel, je l'espère, euh, exceptionnel. Alors G4. G4, c'est ça. Hein. G4, c'est ça. On dirait qu'il allait chasser euh, le requin avec un tourdent. Ouais. C'est ça, là je peux reprendre un pion encore. Et on va prendre un pion. Ça commence à faire beaucoup mon cher échec et mat. Tour B1. Je vais aller tout simplement là, je veux faire échec pendant C3. Je commence à m'infiltrer, ça ne va pas du tout. On va faire ça. Et on va prendre le pion complètement terminé. Petite forme ce soir notre ami échec et mat. Peut-être une dure journée de travail, peut-être que les vacances sont les bienvenues aussi. Et sur ça je fais ça et ça va être mat en G2. Ouais, merci. Merci pour la partie échec et mat. Alors allez, vous pouvez redéfier hein, pourquoi pas tenter votre chance. Attends, alors je vais voir. Vas-y, essaye hein, fou d'échec. Fous d'échecs, t'as le droit vraiment de faire deux défis Bon. Alors ce qui me, ce qui me rassure, c'est que personne. Ah bah ben, des d'échecs, tiens. <laughs> Quand on parle du loup, il est là. Ce qui me rassure, c'est que personne ne s'est plaint qu'il n'avait pas accès à la zone de jeu. Est-ce que t'as un deuxième défi qui attend ou pas Ah ouais, il a lancé deux défis. Excellente question. Alors une petite rétie contre fou d'échec qui a décidé 5 minutes. Voilà, c'est vraiment c'est à votre guise. C'est bien comme ça aussi. Ok, fou 6, c4. On rappelle un hein, fou d'échec. Euh, alors c'est pas c'est pas l'âme de Sergi, mais c'est une des, des forces motrices depuis de nombreuses années à Sergi. Donc euh, voilà évidemment ils sont sur une belle équipe. Ça fait plaisir de voir des clubs comme ça. Où il y a une excellente ambiance et ils sont dynamiques, ils font plein de choses. Et on est ravis d'être partenaire avec eux depuis maintenant euh, plus, bah, le début du confinement, grosso modo. C'est toujours, euh, toujours sympa. Parce qu'ils sont force de proposition aussi. Donc euh, voilà, on est ravis. On est ravis de les accompagner. On va faire des 4 là quand même. S'ils nous donnent un temps. Ouais, si on revient là, maintenant, hop, je vais venir là. Alors, il a un stonewall, évidemment, mais bon, c'est quand même pas le stonewall de l'année. Et oui, ce que je voulais vous dire, donc, vous avez le code TechFresh40 hein, si vous n'avez pas encore accès. Allez-y, n'hésitez pas. Et vous aurez accès à cette nouvelle vidéo-série, notamment. Mais pas que, évidemment, le stonewall par le grand Magnus. Euh, El Grande. Eh oui, le grand Magnus, le Stonewall, sous-titré en français, que demande le peuple. Vous êtes dans le salon de Magnus Carlsen. Eh oui, c'était dans son salon, je le, je le confirme. J'y étais à cet enregistrement. Vous êtes dans son salon avec lui. Et il vous donne ses secrets. Merci à toi, Échec et Mat, pour la partie. Ah, je sens une. T'as besoin de vacances, Échec et Mat. Franchement, je pense que t'as eu une grosse journée. Les vacances sont méritées, écoute. Non. Volt Farce 666, qui est nouveau alors. Qui me demande pourquoi le 56. C'est le hasard. C'est le bouton random. J'ai fait random. Mais, euh, mais en plus, c'est vrai. Complètement random. Pas pourquoi. C'était à côté. 5-6. J'ai une nature un petit peu flemmarde, donc c'est-à-dire que tout seul, j'ai jamais vraiment bossé. Intervention de notre ami Frizu. euh... Frizou, Frozy. J'en peux plus, oui, les visio, ouais. les visio, c'est fatigant. Hein. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais bon, c'est mieux que c'est mieux que rien, hein. évidemment, pour les profs et les et les et les professeurs et, et les élèves. Si je raconte n'importe quoi au bout d'une demi-heure, ça va être long. Hein. Oh, salut la torche, salut la torche. une entrée remarquée. Pourquoi Zlatan? Je sais pas. Comme ça. C'est mon deuxième prénom. <laughs> j'ai pensé que tu me le fais. Pourquoi pas ça Euh. Parce que c'est les coups que tu vois et moi pas. Quand ça j'ai besoin de vacances Moi je prends jamais de vacances à Maury. C'est fou hein, c'est vrai en plus. Je prends jamais de vacances. Terrible hein. Moi, je vais, je vais en prendre. Euh, J'attends qu'on soit déconfiné et puis, euh... <laughs> puis vacances. Bon, malheureusement, euh, c'est peut-être pas pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais bon, un conseil confinement pour vous. C'est trois mois. On peut voir une personne dans la journée quand même, non Ah euh, oui, une personne, oui, mais pas Jules. <laughs> J'avais oublié ce jingle. Très très bon. C'est la passion, ça. Ouais, c'est vrai. Alors, KC4, okay, ça c'est bien joué. Allez, on va proposer une petite finale. Un, un coup tout mou. On attaque 6 aussi, donc c'est pas extraordinaire pour les, pour les Noirs, évidemment. Et on voit. On rappelle, on rappelle aussi hein, qu'on aura des. Et on a, il y a des nouveaux mugs. Des nouveaux mugs soirée Mousse. Il y en aura à gagner pour nos membres premium. Pendant les candidats, Marie-Céline est en train de mettre en place le jeu concours. Le jeu concours où de toute façon, il y aura un saladier qui sera inclus. Ça nous a trop plu. Il faut qu'on fasse ça. Fou F7, ok. Du coup, j'ai changé d'âme. Et je vais là. Et j'ai une qualité de plus, tout simplement. Ça gagne tout seul. On va faire ça, on va prendre ici. Et sur ça, on va venir là. Hop. On va faire ça. On essaye de passer évidemment par la colonne B. Il peut faire Fou B5. Ouais, c'est le meilleur coup. Du coup, je passe pas tout de suite, mais je viens par là. Ok, je vais venir là. J'attaque le pion ici. Et maintenant, je passe avec le roi. Et ça devrait gagner quand même assez facilement. On va faire ça. Et on va faire Fousser euh, 8. Mais là maintenant, je peux activer ma tour. Et ensuite, je vais passer là. Ça gagne tout seul. C'est complètement terminé. Voilà, nous, jingle aussi que j'ai mis. Ça y est, la tremblote arrive. J'ai trop chanté. Non, là, il n'y a pas de tremblote pour cette fois. J'attendais un petit peu plus de résistance, peut-être. Accepte random challenge, évidemment. Évidemment, pour voir les poissards du groupe. Pixou, par exemple, je vois son challenge en haut. Le pauvre, il attend. <laughs> ça se trouve, il n'aura pas un challenge de la soirée. Est-ce que le tour à des candidats, nous demande Lucie, il va reprendre en 15 jours Ça reprend le 19, c'est dans 10 jours, ça arrive vite. Normalement, normalement, ça reprend. Ça re. Incroyable. Eh oui, c'est incroyable, il y a raison, le, le triple, hein. Et... c'est une aubaine ouais aussi franchement ça reprend le 19 on est en train de vous préparer un petit, euh, un petit calendrier aux oignons là je y mets. il y aura le champion de Chess tour aussi qui va reprendre le le, le... le... le 24 jusqu'au 2 mai donc c'est à dire qu'il y aura trois jours il y aura 3 jours 3 jours pendant les candidats Les trois dernières rondes on couvrira de midi à 19h les candidats et de 19h à minuit, le Champion Chess Tour. Autant vous dire que ceux qui aiment les échecs, ils vont être servis. Et ensuite, quand le candidat finit, on continue avec le Champion Chess Tour jusqu'au 2 mai. Donc on va en voir des échecs. On aura des beaux échecs. On aura tous les meilleurs joueurs du monde. Tout simplement. Pendant. Euh, pendant. Pendant, pendant euh, longtemps. On va faire ça pour récupérer ce pion. On attaque aussi la tour. Quels seront les commentateurs en plus de Laurent Nous demande Lucie. Non, ceux qui participent au candidat ne participeront pas au champion de Chess Tour. Quels seront les commentateurs en plus de Laurent Mais pourquoi je ne te suis. Je ne Je ne te je 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 pas, euh, pas à ton bonheur C'est un peu décevant tout ça. Je serai tout seul. Tous les jours, pendant 12 heures. Moi, je suis comme ça, moi. Non, nous aurons les, les habituels. Alors, je... On aura... Euh, ça va alterner. Alors, j'ai pas encore euh, défini. Mais nous ne serons pas moins de... 7 commentateurs. Attendez, je compte. Alors, Jules... Jules... JB Yannick Mathilde Adrien et Yossif en guest star qui viendra comme d'habitude pendant une heure et demie. Une heure et demie entre les. Entre... Après, après la première heure de jeu pour les candidats. Voilà. On tournera. Alors moi je serai euh, très très souvent euh, là. Hein. Pour les candidats par exemple, je serai là tous les jours. Parce que c'est TechFresh qui produit pour les candidats, tandis que ça sera Tech Tonton pour le Champion Chess Tour. Évidemment, nos amis d'Opéra, de, de de AirSings et Hersings, euh, tiens, il est où Hop, AirSings et euh, aussi qui c'est qui a d'autres, je ne sais plus. Euh, Meltwater. eh bien, ils veulent un truc. Euh, ils sont payés pour un service, hein. donc en même temps euh, que les candidats soient un tournoi qui passionne un peu plus les foules, c'est pas un truc qui les passionne à eux, voilà. Je crois que ça peut se comprendre. On va prendre ici. Avec l'idée, s'il prend. Ouais, et là, je vais bouger la dame, je pense. J'attaque, je vais essayer de garder le fou. Mais à mon avis, il doit faire ça. Ouais, dame C8, ça c'est bien joué. J'avais pas vu dame F6 il y à tour 6. Alors, peut-être dame D4, il va y avoir. Euh, dame D4, il y aura tour 2. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait là encore? Oh, c'est c'est fabuleux ce truc. Il y aura tour 2. Ok. Donc, ce que je vais faire. Un, un coup tout mou. J'ai l'impression que je vais faire un coup tout mou là. Hum. Mmh. Ouais, et ensuite on va on va reprendre là. On va même le, le primou ça. Ouais on est un peu mieux, euh, foutre que reposer parce qu'il a, il a un 4 contre 3 ici. Mais bon euh, normalement ça suffit pas pour gagner. donc on va prendre ici. On va faire un coup de B3. Ensuite A4. On C1, quelque chose comme ça. Tour E1, c'est ça le plan. Et on va essayer de, de pousser cette finale. Alors H6 c'est pour faire G5. Je... Oh c'est une blague. Oula. Euh, je vais faire ça. Faut que j'arrête avec les coups de souris là. J'ai envoyé le de dernier jingle. Cet après-midi il est génial. Ah j'ai pas vu. Tu m'as envoyé cet après-midi. Pourtant j'ai regardé mes mails quand même. Bizarre. Ok j'ai pu rater. Alors tour 8, non, je n'en veux pas, mais il va faire tour 2. Mince alors. Comment je fais ici Tour D1, je laisse activer. Je suis obligé de faire ça alors. On va faire ça maintenant, on va essayer de bloquer un petit peu son roi. Ça c'est bien joué. Du coup, on va venir par là. C'est un peu mieux, mais c'est évidemment pas assez. On va faire G3 quand même. Pour essayer de mettre tout sur noir. Mais F4, ça c'est bien joué. Ouais, ouais, là, là, je vais pas la gagner celle-là. Sweet tous. On va tenter quand même. En plus, c'est 3 plus 2, je peux pas flaguer et montrer mes... Mais... Mes nouvelles euh... Les aptitudes à la souris ouais. Ah, coucou mon Frozy, comment ça va J'ai une nature euh, un petit peu flemmarde, donc cest veut dire que tout seul, j'ai jamais vraiment bossé. Ouais. Ah, Frozy, ça va te plaire, le côté random. <laughs> tu vas pouvoir tester ta chance, tu vas voir, tu vas adorer. Ah, si j'ai un fan sur ce truc-là, ça sera toi. Alors on va faire ça. La petite forme mais on fait aller. Ouais la, la, la photo c'est les Man Games 2012. J'ai fait n'importe quoi dans cette partie, on est d'accord. Euh... Propose nul. C'est vrai que ça va être dur à gagner. Hein. Bon, ok, nul. Bravo, bien joué. Non, je pense qu'il a plus sur le. Non, decline. Allez, random. Olivier 114, qui voulait absolument me jouer. Voilà, c'est chose faite. En 10 minutes. Ah, ben là, on change. Il veut prendre son temps. Écoutez, il a le droit. Alors après c'est vrai que peut-être dans... Ça ah, c'est le premier. Donc j'ai dit un peu la cadence que vous voulez, mais c'est vrai que dans Don Banter je, euh, je forcerai un peu la main pour des, pour des cadences plus rapides mais bon. Oui il faut défier sur la nouvelle zone de jeu euh, Frozy. Tu sais, tu sais y aller en plus. football de Verder Bremen est horrible. Flins Barreur nous dit. Eh oui euh, je joue pour le, le Werder Bremen hein, aux échecs et c'est vrai qu'au foot on souffre. A l'époque on était en Champions League. Finis ce temps-là. Alors 10 minutes, mais bon là, ce soir c'est détente, hein, c'est vraiment pour tester. Je teste un nouveau logiciel OBS. J'avais XSplit avant, donc j'avais jamais essayé OBS. J'ai une formation Express et après j'ai un peu testé. Euh, je n'étais pas complètement sûr, mais euh, je voyais pas ce qui allait. En fait, ce qui m'inquiétait, <laughs> pour tout vous dire, euh, ce qui m'inquiétait, c'est que je voyais pas ce qui allait pas marcher. Et euh, en fait, de mon expérience. <laughs> c'est quand même assez mauvais signe quand c'est comme ça mais euh, sur ce coup-là euh, c'était plutôt bon signe vu que tout a marché et donc euh, voilà on va continuer sur ça ça a l'air pas mal euh, l'utilisation a l'air beaucoup plus simple peut-être aussi euh, c'était pas mal de commencer avec XSplit on commençait au niveau euh, au niveau euh, super euh, technique et là on est au niveau euh, vraiment euh, euh, L'informatique pour les nuls. Au foot, on souffre. et eh oui, le sais-tu, mon cher, euh, mon cher Krusty Alors, je vais te, je vais vous apprendre quelque chose peut-être à certains d'entre vous. Mais euh, que les, en Allemagne, il y a des clubs omnisports, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs de, par exemple, le Werder Bremen, mon club, mon équipe depuis euh, maintenant. Euh, euh... 2006-2007, euh, je joue en Bundesliga avec eux. Eh bien, euh, figurez-vous qu'on fait partie du club de foot, en fait, qui finance un petit peu le club de ping-pong, le club de handball, euh, le club d'échecs, évidemment, euh, d'autres clubs comme ça. Hein, donc c'est très sympa. Et on joue. Quand on joue en Bundesliga, on joue dans les salons, on joue dans la plus belle salle de jeu euh, qui soit, on joue dans les salons VIP du stade de foot. Euh, ce qui est assez extraordinaire hein. on a une vue plongeante sur le terrain on peut même aller sur le terrain hein. on peut descendre on peut aller dans les tribunes et descendre sur le terrain ils sont généralement c'est le dimanche ou le samedi euh, évidemment l'équipe ne joue pas euh, à domicile et donc euh, ils sont en train de De, de faire il y, a, il y a beaucoup de lumière sur la pelouse pour qu'elle soit bien et c'est un très beau stade hein. il y a 50 000 places je crois dans le stade donc c'est vraiment euh, des conditions assez exceptionnelles je suis euh je suis ravi. Et on est dépendant du, 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 du club de foot. C'est-à-dire que euh, les <laughs> le budget du club d'échecs, euh, à l'époque de la Champions League, par exemple, pour le club de foot, on, était, euh, on avait une très belle équipe avec Mamédiarov, Gashimov et tout ça. Et une fois qu'ils n'ont plus fait le, la Champions League, eh bien, on a dû, euh, le, le budget a baissé automatiquement. Alors, je sais pas, ça doit être 0, on a du club de foot, on doit avoir 0,002% du, du budget qui est alloué chaque année. Mais ça suffit, ça suffit pour faire une très belle équipe d'échecs. Voilà. C'était ma petite anecdote sur la Bundesliga. Qui a dû, qui a dû amuser Krusty et, et, et. Krusty et Lucie. Ouais, non, du coup, depuis qu'il ne joue plus en LDC, je joue pour Non, en fait, quand il jouait en LDC, j'étais au. J'étais au 5 ou au 6. Et maintenant, je suis au 1. Voilà la différence. Je joue 1 euh, et puis j'essaie de sauver ma peau globalement. Bon, j'ai pas très bien géré cette scandinave. Normalement, ça, ça aurait dû mieux se passer pour moi. Mais bon, quand même, il a le roi, il a le roi de ce côté, ce qui devrait me conférer de l'attaque H5, ouais, c'est quand même courageux H5. On dirait qu'il allait chasser euh, le requin avec un tour dent Fresse serait pétrifié dans cette position avec les noirs, mais j'en ai vu d'autres, des, des belles Si si. Alors Petcheka, euh, parfait Laurent, j'ai bien écouté. C'est un, un modèle comme un autre, c'est un modèle qui, a, qui mérite d'exister, je crois. Alors cher euh, cher Petcheka, si si. Pour reset le mot de passe, c'est comme dans tous les trucs, tu te déconnectes. Tu essaies de te reconnecter, tu mets mot de passe oublié, ça va te renvoyer un mot de passe. Là, je peux vraiment rien faire. Pour le coup, les mots de passe sont complètement, euh, évidemment, euh, euh, évidemment c'est c'est complètement, euh, c'est à vous le mot de passe. Donc c'est pas, nous, on n'a pas du tout accès à ça. On va faire ça, même en tant qu'admin, évidemment, on n'a pas accès au mot de passe. Il joue bien, Olivier. Hein je me concentre pas, mais il joue bien. Laurent joue au premier échec dans son club de Bundesliga. Eh oui, Lucie, c'est comme ça que j'ai joué contre Carwana la partie dont tu me parles. Comment je joue contre Carwana si je ne suis pas au premier, Lucie J'ai joué cette année. En 2020, voilà, c'est simple. J'ai joué en 2020. J'ai joué sept parties. Euh, donc 7 en Bundesliga. Qu'en Bundesliga. Alors j'ai joué. Dans l'ordre. L'écho, Anand. Euh, L'ami. Kamski, Mamediarov, Karuana et un joueur polonais à, à 2500, Gumurlaz Gou, Gou, ou je sais pas, je sais pas comment il s'appelle. Mais euh, voilà, un jeune, je ne sais pas. C'est pas seule partie gagnée d'ailleurs. Et le reste, j'ai fait nul, j'ai perdu Mamediarov et j'ai fait nul le reste. Voilà, donc ça me permet d'avoir des parties de gala à chaque fois en Bundesliga. Hein. C'est... Euh, bon je me plains un peu mais c'est pour la forme, finalement c'est assez sympa, tant que je tiens, tant que je ne me fais pas complètement marcher dessus, bah je reste au premier. De toute façon ils ne veulent pas m'enlever, ils disent que je suis euh, Que je bloque, non mais c'est vrai, je bloque Bon ben bah, voilà, hein, c'est mon job, je le connais. Si ça marche, tant que je ne me fais pas massacrer, je, je suis d'accord en fait. La saison où je me ferais massacrer, j'arrêterais. Je au 3 ou au 4. Et oui j'ai bien joué Confidentiel, ouais, c'est confidentiel, oui, c'est vrai. azerty oui, merci. Parfois, je trouve pas les mots. Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas vu, euh... j'ai pas vu dans le. OBS cétait nouveau, ouais. Je sais, euh, ouais. Oula, dame des 5 ça s'adonne à dame. J'ai pas vu ce qui s'est passé dans le chat, mais apparemment, ça a été modéré. Ah, Maury peut-être. Amaury, je peux te... Amaury qui m'a l'air très raisonnable à chaque fois. Tu, tu, veux être, tu veux être modérateur, mon cher Amaury Est-ce que tu veux être modérateur Vous nous aidez quand vous êtes modérateur. J'ai mis une, une nouvelle modératrice aujourd'hui. Il va peut-être faire son apparition. Je vote pour Amo, et Moi aussi. Euh, toi te non ouais non Nini non tu seras pas modérateur c'est très sympathique de ta part mais non c'est pas possible on peut pas et si c'est rien de rien de perso évidemment <laughs> j'ai une nature un petit peu flemmarde, donc c'est dire que tout seul j'ai jamais vraiment bossé je mets des jingles au hasard hein. je suis content alors, euh... je sais pas ce que j'ai fait là. Vous savez quoi Je peux rendre un petit peu, tiens. Voilà, hop. Je suis tellement complètement gagnant parce que là c'était quoi C'était une dame, hein. Je range, je vais faire pion prendre mes 4 et fou au 6. Et puis voilà. Ou fou au 6, vous prenez 5. Direct. Ah oh là là, il veut pas. Il veut pas, mais merci. C'est gentil, je comprends. Je comprends. Euh, je comprends largement mon cher Amoy et merci de nous suivre aussi euh, souvent et je sais que tu es un grand fan. Oh mais vous tenez bien globalement, bonsoir à toi Sergei. Ah ouais mais là on fait des vidéos Lucie, il serait temps que publie un livre commentant ses meilleures parties. Ma meilleure partie, tu veux dire Tu veux que je fasse 150 pages sur ma partie contre Kramnik C'est ça Comment je me suis préparé Comment j'ai dormi Quelle soirée j'ai passée la veille, le lendemain Comment a été l'atmosphère la, dans la salle de jeu, dans cette magnifique tente Au jardin des Tuileries Oh là là, quelle ambiance C'était magnifique. C'était. Est-ce euh, que c'était le plus beau jour de ma vie échecienne Non, non, quand même pas. Et il est Mad Games quand même. Il est Mad Games, titre de champion de France. Ah, quand même. Allez, c'est random. Ah, check et Mad qui, qui est revenu. Il tente sa chance, j'adore. Sco -Mike. Allez, allons-y. Allons-y, Sco Mike. No ouais, Plein de jolies parties. C'est gentil, Lucie, mais je. Je crois pas. Si un jour j'écris un livre, ça sera sur Magnus. C'est incroyable. Ah un petit trouser. Bonjour. This is FM Dr Pippo from France. La diagonale fressinée. Ouais. Choisissons les modérateurs avec un saladier, nous propose Tadam. Mais ah ben voilà une bonne idée. <laughs> On va tout faire avec un saladier, ouais maintenant. Non, les commentateurs, d'ailleurs, saladier. Hop, voilà pour choisir tout ça. Moi, ça m'évitera de faire un programme et tout ça. essayer de ah, d'en faire pour tous les goûts, vous voyez. Euh, C'est pas toujours évident de voir quel duo passe, quel duo passe pas dans tout au hasard maintenant. Ouais, ouais c'est beaucoup mieux. T'as raison, euh, raison, ta dame. On va faire ça. En vérité, le livre de Laurent ne serait pas forcément rédigé par Laurent. Mais je te remercie, mon cher Christy, ça fait plaisir. Mais en l'occurrence. Ouais, Tout le monde écrit sur Magnus, mais est-ce que tout le monde le connaît autant que moi C'est ça la différence, euh, cher Lucie. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt. Je suis quand même dans le, dans le top 10 des joueurs d'échecs qu'ils connaissent le mieux. Vu que j'ai été quand même, je le rappelle, j'ai le seul entraîneur à être à tous ces matchs de championnat du monde. Et voilà. Salut Toto Ineta. Notre, notre stagiaire c'est signé, c'est officiel. Hein fin mai, elle fait un stage. 5 semaines. Un stage de fin d'année. Avec nous. On ne sait pas ce qu'on va lui donner à faire. On sait, ne sait pas pas, moi je suis embêté avec ça. Hein. Alors, si les bars réouvrent, c'est simple. Hein. Elle organise tous les soirs des tournois aux petites canailles. Ça, c'est facile, du coup. Euh, elle essaye aussi de faire rentrer en, euh, en boîte de nuit notre ami euh, Frozigoul. Voilà, ça, ça peut être des tâches quand même euh, importantes. Mais sinon, euh, je vois pas. On va faire un petit échec. J'ai une nature euh, un petit peu flemmarde, donc ça veut dire que tout seul, j'ai jamais vraiment bossé. Mais oui, mais moi, je... Alors, justement, justement, Krusty, euh, je, je, je... c'est exactement ce que j'y ai... ai déjà pensé. J'ai même... Je, je sais qui va... J'avais déjà parlé avec quelqu'un, en fait, qui pourrait être euh, une sorte de... Je voulais faire une conversation, effectivement. Je voulais faire une conversation. J'avais déjà... déjà parlé avec un, un journaliste. <coughs> Et donc ouais, si je fais un livre un jour, ça sera ça parce que c'est un métier hein, un métier moi je sais pas écrire hein. Donc euh, clairement euh, euh, clairement je veux que ça soit un truc bien. Donc euh, ça sera pas euh, le ghostwriter comme on dit ou un truc que je signerai à la fin ça sera moi. Non, ça sera une conversation plutôt euh, voilà, évidemment l'analyse de partie ça sera moi, mais la partie euh, conversation euh, clairement euh, elle ne sera pas écrite par moi. Je l'achète direct, ce bouquin, ouais. Ouais, non, mais j'y ai déjà pensé, mais il y a longtemps, mais alors c'était avant... Euh, c'était avant... Euh, Ghostwriter, ouais, c'est ça, un scribe, ouais. Euh, euh, voilà, c'était avant, bien avant Chess24 que j'avais pensé à ça. J'allais vraiment... Euh, J'allais vraiment le faire. Enfin bon, c'était un truc qui me trotte dans la tête depuis toujours. Est-ce que je le ferai un jour ou pas Certainement, en fait. Alors après, c'est vrai que je note pas grand-chose. C'est ça le problème. Il faudrait que je prenne plus de notes. Parce qu'on oublie des choses. Vous voyez le match de 2013, par exemple Déjà, j'ai quand même beaucoup de choses à raconter. Mais. Je commence à oublier. Donc faut faire attention à ça. Il faudrait que je prenne plus de notes. Mais clairement, ouais. Parce que ce qui est mes plus belles expériences en tant que joueur d'échecs, hein, sans. Je sais pas de la fausse modestie, hein, mais euh, bah voilà, j'ai goûté au haut niveau euh, grâce au, aux entraînements euh, de Magnus. C'est une évidence. Au plus haut niveau. Ah, celui qui fait rêver finalement. Et donc, euh, ouais. Donc je parle. A priori, si je fais un bouquin, ouais, ça, ça parlera de ça, ouais. Je ne vois pas de quoi d'autre ça peut parler. On avait cette idée avec euh, Peter Heineux, on a fait euh, Peter Heineux Nielsen, euh, mon collègue de la Team Magnus, euh, qui était à l'époque, en 2008, je vous l'ai déjà raconté, d'ailleurs on a, on a fait euh, la, 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 la bataille de Bonn, euh, en anglais, The Battle of Bonn, où euh, chacun, euh, voilà, deux, deux secondes, euh, ben, on échangeait euh, nos, nos points de vue, comment ça s'est passé, nos expériences de l'intérieur. Et voilà, ça, on avait prévu de faire le bouquin sur ça. C'était euh, là, c'était imminent. Et puis il y a eu Chess24 qui est arrivé. Et du coup, euh, on a fait une vidéo série. Moi, j'avais vraiment plus le temps pour le bouquin. Mais on voulait vraiment le faire, ce bouquin. Et ça aurait été. Euh, euh, bah, ça aurait été sympa. Mais rien ne nous empêche plus tard de faire un bouquin sur ça. Ça peut être aussi sympa de voir les. les, les... C'est pas pareil, les vidéos et les bouquins. Donc je pense que ça peut. Euh, ça peut bien se compléter. À 3 plus 2, 10 minutes. Ah, s'ils sont malins, hein, ils ont. Alors, e4 fighter, e4 fighter. Alors, ah oui, je suis désolé. Mais si on défie par l'ancien système, ça marche pas, Petcheka. Ah, je suis désolé, Petcheka, mais je t'assure, déconnecte-toi, tu, tu enlèves le pseudo. Tu enlèves le pseudo et ça va marcher, Petcheka. Je t'assure. Ouais Léo Belge, il faut défier sur la nouvelle zone de jeu. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le temps que Pécheca arrive, je vais me mettre en mode plein écran et je vais vous montrer ça. Hop. Vous allez sur Chess24. Vous allez sur Play Zone Preview. Et vous faites Custom Game. Désolé c'est pas encore en français. Against User. Vous, vous rentrez Zlatan 56. Vous choisissez. Vous cliquez bien sur le pseudo en dessous qui va s'afficher. Vous le remplacez. classique. Vous pouvez aussi. Euh, pourquoi pas Moi, alors, j'y connais rien à ces jeux-là. Mais euh, vous pouvez aussi. Et vous faites... Euh, alors, classique. Vous pouvez faire un autre jeu, hein. On peut rigoler, hein. Euh, 3 minutes plus 10. Si on veut faire un autre jeu, tiens. Ça peut, ça peut être drôle. Bref, donc je reviens à ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Le, je vais changer de, de, de banter, nous play zone. Alors, E4, C5... Petite finale et vieille dentelle plutôt. Je préfère les bouquins en vidéo. Celles-ci vont trop vite. Qu'avec un livre, on va à son rythme. Oh, bah tu peux appuyer sur pause aussi, hein, Lucie. Mais oui, c'est différent. Ça dépend. Ça dépend. Euh, ouais, moi je suis de plus en plus, malheureusement, je suis de plus en plus vidéo. Il y a rien à faire. Ah, c'est plus facile hein, quand on a un petit coup de fatigue. Euh, pff, on regarde une vidéo, franchement, euh, ça demande un effort moindre, ce qui est dommage. Alors, fou de, on fait G6. Petit Trouser, je connais Néroser. Non, volte-face quand même. Volte-farce. Je pense que l'écran abîme plus les yeux quand même hein, que, le, que les livres, hein, si, si c'est ça ton argument. A priori, hein. Alors là on se développe comme d'habitude, un petit coup de tour C8. Après, on va certainement faire quelque chose comme ça. Alors dame D2. On va venir là comme promis. Ça dépend quel écran OK. Salut Florent, à la prochaine. Tu nous laisses en bonne compagnie, on te remercie. A à bientôt. À bientôt. Peut-être match des, des communautés. Là, j'ai pas eu de réponse de nos amis espagnols. Peut-être dimanche. Alors restez euh, comme d'hab. Hein, le conseil que je vous donne réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et évidemment Discord pour ne rien rater de nos événements. Aussi, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. À la chaîne Chess24. Si vous êtes sur Twitch, pareil. Comme ça, vous ne ratez rien. Bonjour. Oups, Kitty. Alors, il y a qui est D5 là. Je vais faire 6, ce qui est un peu bizarre dans cette structure. Mais bon, j'ai trop peur de fou prendre, fou prendre, ski D5. Donc, je fais comme ça. Oh, je suis tellement hépatique, tout marche, tout marche bien là. Je n'en reviens pas. Alors, fou prend. Ça, c'est pas très bon. Ça donne le fou de case noire et maintenant, ça rayonne. Ça rayonne. Alors, comment j'en profite On va faire un petit coup de a5, menace a4, évidemment. Ok, a4 lui-même. Du coup, est-ce que je peux pas faire dame b4 J'attaque la tour. Euh... Il peut pas faire c3. Oh ah, c'est terrible ce truc. Hum... Alors, c'est un peu passif ce qu'il fait, hein. C'est quoi son prochain coup C'est ça que j'arrive pas à comprendre. On va juste faire ça. Bonjour, oups. Maintenant, j'ai l'impression que je menace ça, quand même, hein. Suivi de tour prend C2. Ok, alors est-ce que ça marche Kay prend B2, tour prend B2, fou prend B2, dame prend B2, tour prend C2, dame B1, ou je peux prendre le pion, tout... très prosaïque. Mais bon, ça a l'air fort. Ok, F5, il cherche du jeu. Qui peut lui en vouloir Un autre ami Polish Fighter. Bon, du coup, on va venir là. Du coup, personne n'a lu la diagonale liquide, mais non, on a le résumé qui arrive. Pas le résumé, pardon, l'analyse. La, l'analyse. Non. Mais euh, ouais. J'avais même pas. Euh, avant de le voir sur ton Facebook, cher Krusty, savais euh, même pas que ça existait. On apprend plein de trucs hein, sur le Facebook de, de Krusty. Ouais, alors, il se débrouille pas mal du tout le 1500 à Maurice et 1500 sur la nouvelle zone de jeu. Donc attention. Ça veut dire que. En plus, tu l'as poissé là. Il vient de donner une pièce en un coup. Donc ça veut dire que s'il a pas joué de partie, il a 1500. Hein. C'est une aubaine. Au fait, pour modo. Alors, je sais pas, hein, Olivier 114, je propose vraiment ça. Alors, ça dépend, hein, je propose vraiment ça au aux au gens. C'est vrai qu'on te voit souvent aussi, mais euh, tu vois, je préfère. Hein... On voit, mais c'est gentil. Euh, c'est gentil en tout cas de proposer. Oula, 40 défis là. De toute façon, c'est raisonnable. Alors, il y, y a eu un truc apparemment tout à l'heure, mais ça a été euh, modifié. Allons-y. Alors, t'as joué qu'une fois. Eh, hey, Frozy Frozy On t'a vu Une fois Deux fois oh, oh, oh Bip, bip Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Oh, c'est affreux là Huit 9 <laughs> Heureusement que je suis là quand même hein Attention hein, cramer la frose hein Non mais je te connais Je te connais euh, Je te connais mon petit Frozi, hein, quand même hein. <laughs> Tu crois quoi T'es un filou je le sais bien Flémar, donc ça veut dire que tout seul j'ai jamais vraiment bossé. Ah, sacré Frozy, t'es un peu comme ton camarade de jeu. C'est trois mois, on peut voir une personne dans la journée quand même, non Ah oui, une personne, oui, mais pas Jules. Ouais, c'est ça. Une recension, ouais, qui sera publiée sur Chess24 fr Krusty, oui. Ouais, ouais, ouais je crois. Hein, enfin, si Krusty veut bien nous, nous fait ce privilège, cet honneur. Bien sûr. C'est très bien. On est ravis. On sait qu'il les bosse. Et qu'il a une plume tout à fait agréable. Bonjour Limoges. Heisenberg est parmi nous. La racaille de Limoges. Bonjour. This is FM Dr. Pippo from France. Ah oui, c'est toi. Mais ah oui, c'est ça, Lucie. Tout se joue sur ça, hein. Ça se joue sur ça, c'est terrible, hein. Mais ça se joue vraiment sur ça. Alors a 4, il veut aller, il veut pousser, vous savez quoi. Oh, que c'est agaçant Que c'est agaçant Non mais... Ok fasse quand même... Ça c'est fou ce truc hein Qu'est-ce qui se passe Faut que je fasse très attention. Là, les flèches je sont pas... Euh... Mon boss t'a pas dit de m'appeler Marseille. Oui, mais c'est ton boss, Eisenberg, c'est pas le mien. C'est ça la différence. Mais tu vois, moi je suis pas tenu. Toi t'es tenu. Moi je suis pas tenu. Je fais ce que je veux moi. Je suis libre. Pourquoi pas ça, euh, c'est des c'est les coups que tu vois et moi, pas ouais. Mais alors, ce que je comprends pas, là, les flèches elles sont pas fluides, honnêtement. Parce que regardez, quand je fais ça, ça se, ça se décale après, c'est après la partie où elles sont plus fluides. Ouais, ouais, non, c'est génial. <laughs> This is femme, docteur Pipo. <laughs> From France, c'est très très bon. Hein. Laurent ne crie pas si fort. Ouais, mais j'ai une voix qui. Si vous voulez, je change. Euh, le ton de ma voix change tout le temps. La force de ma voix, là, je sais pas. Le. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. et pff, maintenant, ça devient tard hein, pour changer tout ça. Pas ce que tu penses, chère Lucie. Non, c'est pas bon du tout, Heisenberg. si tu me défies depuis l'ancienne playzone. C'est pas bon du tout. T'as aucune chance d'être pris face au 10 challenge de frozigoul. Hein. <laughs> là. Je remets. Euh, J'adore. J'adore ce truc. <laughs> ce filou de Frozy Ghoul. Je fais n'importe quoi. Ah c'est Sergueï en plus. J'ai même pas remarqué. Désolé Sergueï. Oh mais Sergueï, je, je remarque même pas quand qui joue là. Je, je, je regarde plus du tout la partie. <laughs> c'est euh, incroyable. Mais bon. Toujours... Hein. Pourquoi pas ça euh, Parce que c'est les coups, coups que tu vois et moi pas. Olivier 114 qui me dit, Laurent rassure-moi, toi tu as pu recommencer depuis 1500. Tu n'as pas recommencé depuis 1500. Eh bien si, j'ai recommencé depuis 1500 et moi je suis comme ça. Eh, les, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de passe-droit ici. Comment ça Qu'est-ce que ça veut dire ça, Lucie s'y arrête, hein. Je suis pas l'âge, l'âge et le physique, c'est pas, c'est pas très, je trouve pas ça bien, franchement. Ce sont pas comme la... c'est la règle, hein, de, de Magnus Carlsen. Hein. On se moque des choses que les gens choisissent. Le reste on n'a pas le droit. La règle que Krusty adore, d'ailleurs. Alors, ça donne quoi cette position Eh bien, écoutez, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a plus que 45 secondes. Elle est compliquée, il y a toutes des pièces sur échec. Il a fait F3, machin. Ça, c'est pas bon parce que regardez, il y a le fou, il y a le cavalier B3. Je vais pouvoir prendre. Ok, KC1, je vais juste prendre. Et ensuite, je vais faire. Non, je vais faire ça parce qu'il n'y a plus en prise. Et ça va pas du tout, Sergueï. Il a complètement craqué. Tu crois que j'ai décidé Tu crois que j'ai choisi de vivre là où je vis <laughs> ouais, A priori, non. <laughs> très 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 bonne remarque, Heisenberg. <laughs> très bonne remarque. Excellent. Oui, a priori, oui. Non. Alors c'est vrai que oui, ça paraît dur à à concevoir. Alors, on va faire d'abord fou ici, pour être sûr de ne pas laisser de, de, de tour prendre le 6, qui aurait pu me déranger. On ne sait jamais, j'ai deux pions de plus, je suis complètement gagnant. Ah, il a mis du 3 plus 2. Notre ami Sergei, évidemment, il adore ça. Mais là, ça ne va pas le sauver, j'ai tout simplement deux pions de plus. C'est fini. Il faut juste que je, je termine le travail. À moins que ça y est, la tremblote arrive, j'ai trop chanté. Ou pas. Ce jingle en fait, il arrive pas souvent. Peut-être que je On va faire ça. OK, on va faire euh... ça tranquillement. OK, je vais prendre ici. Ouais, il va faire 6. Attention, hein, il y a le pion quand même en prise ici. Mais bon, je peux pas le prendre, je vais faire ça. Ok, ça, je peux prendre ici. Et on va prendre là. Et c'est un troisième pion de plus, mon cher Sergei. Oula, ça, ça combine, mais ça combine mal parce que le fou peut reprendre. Et j'ai une pièce de plus. Ouais, non, Sergei, c'est fini ça. C'est complètement fini. Alors, 24 défis, dont, euh, dont 18 de, de Frozy. Qui ne toujours pas être pris. Qu'est-ce que t'es pour ça Ah, Bibip Ah, ouais, effectivement, Bibip. <coughs> T'avais mis les défis. Alors, 4 c'est 5 Ouais, non, euh, ça allait pas, ça C'était compliqué au début, mais t'as pris trop de temps en fait. Alors, une sicilienne, c'est 3. Des 4, 6. Tu sais quoi, je vais leur montrer à. Euh... Ouais, je vois là. Attends, je, je vais leur montrer un peu ce que vous faites. Vous bon, remarquez, j'aurais le show. Euh, ouais, là, si on peut faire plusieurs défis, c'est vrai que vous avez trouvé une faille. Vous êtes malin, hein? Ah les petits malins. Ok je prends ici. Je vais faire. Euh... Est-ce qu'on est changé fou pas pas tout de suite. Ah mais après il y aura dame à échecs pardon. Non. Ouais j'aime bien m'enfoncer moi Lucie c'est mon truc. Mon PCK, essaie de te souvenir de ton mot de passe déjà. Plaisante bien évidemment. Ah et non seulement il joue mieux, mais en plus il me flague. <coughs> Alors pas tout de suite, euh, Olivier 114, à partir de quand elle sera imposée Moi j'arrête de donner des dates, hein, j'ai dit déjà. Euh, je sais pas, c'est pas entre mes mains. Euh, moi, on me dit des choses et après, on ne tient pas les délais. J'ai eu un nouveau délai hein, qu'on m'a donné, mais je vous le donnerai pas. Je suis désolé, on fait au mieux, vraiment. Et le genre de retour ou le genre de soirée comme ça, c'est vrai que ça peut aider à, à corriger les problèmes. Par exemple, ce truc random, c'est vrai qu'effectivement, elle marche quand même, hein, on peut faire des choses. Hein. Mais euh, je sais que, voilà, euh, ils essayent de mettre en place notamment les tournois Arena. Voilà, ouais, le jour où on pourra faire ça, on, on se fera des, des, des trucs très sympas. Non Il n'y aura pas de transfert de Hélo, euh, Léo le Belge, ça recommencera. On, on, on repart à zéro. Mais on gagne très vite des points hein, les premières parties, donc on se retrouve vite à notre niveau à peu près. Hein, parce qu'au début, il y a un coef euh, co salé, comme on dit. Ouais, non, a priori, si tout est mis en place, elle sera moderne, hein. Alors, à 4 pour faire A5, pour se débarrasser de ça. Ok. Ok, je prends. Pourquoi pas, après tout C'est une aubaine. Il aurait pu. Euh... Bah, je le protège, tiens. Eh oui, quand même un pion, pourquoi pas. Pas si facile, alors fou B5, je pense qu'il va la récupérer, mais au moins je le distrais par là. Bonsoir Ironkin 2013. Je suis comme Pierre. Ah non, pas tout de suite, hein. Pas tout de suite les insultes à Heisenberg. Non, non, pas ce soir quand même. Alors, je sais, je fais une petite blague pour Limoges, mais quand même, je mérite pas ça. Euh, Est-ce que je prends... Les me prend des 4, il y aura tour des 1. Mais j'aurais de MF6, ouais, on va faire ça. Oula Comment défier Zlatan Iron King 2013 Alors cher ami, il faut déjà être membre premium, ce qui t'accède, ce, ce qui te confère le droit, de, de ce qu'ils ont un accès illimité à toutes nos séries vidéo en français, en anglais, en espagnol, en latin, en, en russe, en chinois, en, en, en tout. Et euh, aussi, en, tu peux jouer, tu peux défier tous les champions en banter. Donc euh, voilà, bah écoute, c'est euh, gagnant-gagnant. Pour là, par exemple, ça coûte 7,50€ par mois si tu prends un abonnement de 1 an avec le code TechFresh40, 40%, 40 de réduction. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là Et oui, alors les, la rencontre avec les Espagnols, écoute, euh, Lucie, euh, normalement c'était un Marocain aussi. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, le truc c'est que c'était normalement pour dimanche, mais euh, les, les espagnols là ils commentent. Euh, ils commentent le. Je sais pas si vous suivez le, le baby tour, hein, le baby chess tour avec euh, Judith Polgar et Vladimir Kramnik. Donc ils, font, euh, ils sont pas comme moi, ils sont pas aussi paresseux que moi. Donc ils font un live tous les jours. Donc du coup, ils sont pas mal occupés. J'en mets pas la pression non plus, mais on va essayer de le faire dimanche. Alors j'essaye, hein, mais on, essaie, on fait au mieux. Mais c'est pas sûr. C'était adopte un corpo, ouais, Aussi. Ah, d'accord, ouais, c'est vrai. Comment je fais pour gagner ça, moi, du coup On va pousser le pion. On va essayer de mettre le pion E4, peut-être tour des deux pour faire E3. <coughs> Donc, on va faire ça. Sur tour 5, est-ce que je fais tour E5 Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai deux. Je suis pas sûr de ça, on va faire ça. Ok, on va faire. Non, on va faire E3, tiens, pour voir. Et sur, puis on prend, on fait tour, prend. On attaque, g 3. Bah, c'est nul, MDR. Ah, t'es MDR T'es MDR, Limoges Et là T'es MD... MDR ou pas T'es comment là Mince, j'ai pas vu. Euh... Bon, mais moi non plus, je suis pas MDR. Hmm. Ah, il est H5. Oh le bol. Tour 7, H5. Comment je fais pour garder mon pion de plus, là Ah, comme ça. C'est nul, je suis d'accord, mais bon, ok. Faut jouer encore quand même. Ouais, JPP nous raconte, nous dit Heisenberg. Euh, ben dis donc, Heisenberg qui nous prouve enfin qu'il est jeune. On n'y croyait plus, hein on pensait pas. On s'est dit, c'est pas possible. C'est une, une couverture, il est pas jeune. Mais en fait, si, il est jeune, il est vraiment jeune. Ça paraît assez incroyable. Alors attends, comment on va faire là On va faire ça. On va faire ça. Mon petit Eisenberg, ne quitte pas. Et ensuite, je vais mettre la tour là. Ok, ça, il veut faire ça. Donc, je vais faire ça. Ah, mince, il me fait, fait un coup de tour B7, ça c'est embêtant. Parce que je veux défendre mon pion latéralement. Ok, je vais faire ça. Mettre un pion par là. Et être MDR. Ouais, alors ça, je vais faire ça. J'essaie juste d'avoir un peu de tenue dans ce chat. Mais ouais, ça. Mais voilà, ça te ressemble, Heisenberg. Ça, c'est toi, ça. C'est comme ça que tu parles. J'essaye d'avoir un peu de tenue dans ce chat. Voilà, c'est ça. Et maintenant, vamos. On va avec le roi. La tour protège, vous voyez. La tour fait un super. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là là. La tour fait un super travail. La tour fait un super travail à protéger tous les pions. Et. Euh, et voilà. Et donc j'ai plus qu'à amener le roi et pousser. Salut papa 1, 2, 3, 4. Il a pris JPP à Marseille, on dit pas ça à Limoges. Très, très bonne vanne, ta dame. <laughs> j'adore. C'est vraiment... C'est le genre de van que j'adore. C'est incroyable. <laughs> très très bonne vanne. Alors, Olivier encore. Bon, mais c'est le hasard, qu'est-ce que vous voulez Il y a des gens, ils ont, ils ont 45 défis, mais non. C'est le hasard. 5 plus 10. Ah ouais, il fait des parties longues en plus. Bon. Essayez de varier. Je suis MDR à cette vanne. Ouais, j'adore cette vanne. <laughs> non, vraiment, euh, j'aurais été content de la faire. Bon, Ça peut pas toujours être drôle, hein. Merci. Ouais, euh, bip bip, bien jouer, Hein. Grosse résistance. T'as combien sur Chess24 2031. non. Grosse résistance à finale de tour. Ouais, faut faut s'activer plus vite. Hein. T'as été trop... As... trop attentiste dans cette finale de tour. Kaisenberg a défié. Ah oui, c'est fou ce truc de. Bon, après, je vais vous demander de plus défier hein, ceux qui ont déjà joué. Pas très sympa pour les autres. Euh, voilà. Et après, on refera. On tournera hein, en fonction des Des défis qui restent. Mais là, c'est sympa de pas jouer de deux fois. Tu es 1900 fidèle en partie longue. D'accord. Bah, merci en tout cas de t'inscrire. Puis n'hésite pas, 1900, euh, Bah tu peux. La méthode, hein. La méthode, ça fait pas de mal. Après, il y a les finales avec Zvoretsky qui ont été sous-titrées. Euh, voilà. Les finales avec Zvoretsky, c'est quand même C'est du lourd. Hein. Ça prend pas une ride, hein, ces trucs-là. Il faut défier normalement. Ou sur la nouvelle zone. C'est sur la nouvelle zone, euh, papa 1, 2, 3, 4. Et c'est le, le random. J'appuie sur random et ça me définit un adversaire. De manière random. C'est pour ça, euh, j'adore. Je suis fan. Depuis qu'on m'a montré ça. Je suis fan, mais euh, effectivement, vous avez trouvé le défaut. Alors. On ne peut pas toujours être drôle. Ceci appara apparaîtra dans ton autobiographie que nous allons écrire. Ouais Bon. Ouais, non, effectivement, quand on fait euh, tellement d'antennes. Qu'on essaye, comme moi, d'avoir l'air drôle et intelligent tout le temps. Bah, on n'y arrive pas toujours. Et là, ça s'est raté, Alpion. Et maintenant, c'est la double attaque. Je ne sais pas comment ça marche la nouvelle zone. Je vais refaire un, une petite démo comme j'ai fait tout à l'heure. Oh, c'est là où je suis. Je vais le faire. Je vais faire une petite pause. Je vais mettre la pub. Je me suis amusé à mettre la pub. Je pense que la pub, elle marche aussi. Tout marche. C'est incroyable. J'ai passé du temps hein, cet après-midi. Hein. Euh, j'ai pas plaisanté. Mais hein. c'est un truc, ça m'intéresse. J'adore en fait curieux en fait. Hein. J'aime bien prendre des trucs nouveaux. Je me suis vachement amusé cet après-midi. J'ai essayé de faire marcher le truc, au BS, de faire les nou nouvelles, parce qu'il faut tout, faut tout remettre. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais c'est du boulot, hein. D'avoir toutes ces scènes de prête, C'est quand même du boulot. D'être sûr que ça marche exactement comme on la met, la lumière. Vous voyez le petit, le petit truc que j'ai derrière moi, le petit truc de chasse 24, hein, qui est faux. Évidemment. Euh... C'est quand même du boulot et donc euh, quand on est quand c'est un nouvel outil, c'est pas forcément très simple. Je me suis bien amusé. Alors tour 8. Je fais tour 1. Le geek 24.0. Il ne sait pas encore quel expériment rédiger. <laughs> Alors... Bon oh, ça va quand même. Oh Lucie c'est pas très sympa ça. Mon amour propre pourrait en souffrir. Merci Olivier. Allez j'en fais une petite dernière, après je fais une petite pause et on revient. On revient après. Alors... Accept random... Ah je vais montrer, j'avais promis Alors ce qu'on va faire... C'est... Ce qu'on va faire c'est ça. Hop Vous voyez en plein écran. Ce qu'on va faire... C'est... Chess24. Your playground. On est sur Opera évidemment, hein. Faut aller sur Opéra. Jouer. Playzone. On va là. Custom game. C'est pas encore en français, ça va arriver. Partie personnalisée. Against user. Là, on tape. Zlatan. Euh... Zlatan. Zlatan 56 évidemment. Et après normalement, il y a le nom qui apparaît. Moi, il apparaît pas parce que c'est moi, Zlatan 56. Donc, je peux pas me défier. Ensuite, on choisit. On choisit le temps. Chacun va choisi son temps. Est-ce qu'on peut aurait pas essayer... Est-ce que Frozy, tu ne serais pas un truc C'est quoi roi de la colline Ah c'est King of the Hill, c'est ça C'est quoi On peut essayer le chèque 960 si ça vous dit, si ça dit à quelqu'un. Pourquoi pas. Bon bref. Donc moi je prends un en random. Et c'est parti. C'est Ben. <laughs> il n'aura qu'à ajouter 2 trois PGN. <laughs> eh oui, je rajouterai des. Ma petite névrose du PGN. Les névrosés du PGN. Alors, E4-5. Allez, on fait un petit gambier tiens. Comme c'est Ban, soyons fous. Ouh, ça j'aime pas. Contre Gambi euh... je vais corcher son nom. Falkbert ou euh, je sais plus comment il s'appelle. Bref, je fais ça. Ce qui m'énerve dans les blitz contre toi, c'est que j'ai pas le droit de jouer mes prépas. T'as des prépas, Eisenberg enfin, Tu sais, euh, moi à ta place, si j'étais toi, Eisenberg. Non, mais je te le dis euh, honnêtement, sans, sans, pour une fois, Eisenberg, je suis très sérieux, je ne me moque pas de toi. Donc, à mon avis, tu devrais jouer tes prépas, parce que en fait, là, le risque, tu vois, le risque, c'est qu'un adversaire va le voir. Donc ça, c'est un peu embêtant. On est d'accord. Mais quand même, le risque qu'il y ait un trou dans ta prépa et que je le réfute comme ça dans un blitz et, euh, tu, et que je te montre ce qu'il faut jouer, du coup tu vas comprendre des trucs, est quand même beaucoup plus grand que le, le joueur qui va voir par hasard la partie et qui va s'en souvenir et tout ça et qui va se préparer grâce à ça. Donc moi, à ta place, je, je, je jouerai. Je jouerai contre moi les, les prépas. C'est mon avis, hein. c'est un avis, mais vraiment honnête que je te donne. Je me moque pas de toi. Oui, oui. Je pense que... Euh, T'es prêt pas à mon avis, euh, tu vois C'est ce que je veux dire. Je trouve ça assez convaincant. Merci Amaury. Merci. Mais je pense que c'est... Je le pense en tout cas, je peux me tromper. Hein. C'est pas la première fois ni la dernière. On est ouais, d'accord. Euh... Alors, kc 6 Est-ce que je peux faire damage 4 Il en fout, prendre F3, qui prend F6 Ou je fais C3 tranquillement, tiens. Ouais, le contre Gambit Falkbeer. Falkbear, ouais. Son rapprochement avec Laurence et avec beaucoup d'émotion, à mon homme le niveau bien sûr. Bah oui, quand tu joues le Gambiroi, ben bah, en fait, euh, Krusty euh, a raison. Euh, quand on joue le Gambiroi, c'est pour avoir du jeu, et l'autre, tout de suite, il, fait, il joue D5. C'est infernal. Tout de suite il ouvre tout, il donne un pion, enfin voilà, on est plus On est en fait l'arroseur arrosé. C'est très désagréable. Ça je te comprends euh, complètement, euh, Christy, là. pour le coup. Autant euh, je peux pas toujours en dire autant, mais pour, pour là, je te comprends à 100%. Ajax 27-71, à la prochaine. Ouais, tu joueras Zlatan la prochaine fois. Désolé, t'as pas eu de chance, apparemment, au tirage au sort, mais il faudra empêcher les gens de lancer plusieurs défis. Euh... Alors là, je joue la petite finale. Parce que la petite finale, elle est magnifique. Pourquoi C'est très simple. Des pions triplés. Même nombre de pions, mais des pions triplés. C'est un cauchemar. Et non, et là, je vais faire fou des deux. Et je m'organise. J'ai une finale complètement gagnante assez facilement. Alors, je peux même jouer tour E1 ici. Mais je peux faire tour F2 aussi pour échanger tout, 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 ce, tout ce beau monde. Et c'est assez facile. Ouh ça y est la tremblote arrive, j'ai trop chanté On peut faire ça à échec, je perds une pièce Ah je me suis trop relâché Ouf il n'a pas vu Ok Il l'a pas vu Non euh, en tout cas, crusty, euh, non. Alors là, je vais prendre ici. Bon, c'est complètement gagnant, mais j'ai fait une énorme gaffe. Je peux vous montrer sur... Euh, voilà, il suffisait qu'ils prennent là. Ah là, je peux pas bouger les pièces tant que la partie n'est pas terminée. Ok. Ouais, j'ai retenu ma respiration pendant 10 secondes, c'est ça. Oh, c'est pénible ces flèches, en plus j'en avais parlé mais je crois qu'ils sont en train de le... Bon, ils ont peut-être un peu oublié aussi. Ouais, apparemment. Je gagne celle-là contre la machine Ouais. Ouais, je gagne contre la machine, ouais. Ouais, Heisenberg. Alors... Bon, moi bah je prends le pion. Merci. Merci pour le pion. Fini. Deux pions. C'est au minimum un de trop. De pions en moins, évidemment. Euh, quatre deux, euh, quatre un 4 contre 2, 4 contre 1 qui s'annonce assez délicat. Du coup, je vous mets une petite pub, Je reviens. Ne vous inquiétez pas. J'arrive. Cinq petites minutes de pub et je vous dis à tout de suite et je recommence un petit peu une petite heure peut-être voilà quelques blitz pour ceux qui n'ont pas joué avec notre euh, notre, euh, notre random notre générateur d'appareillement euh, aléatoire. À tout de suite. On va voir si les pubs j'ai réussi à bien les mettre aussi. Ça serait ça serait miraculeux hein, si tout marche ce soir. Pas ce qui se passe hein, franchement c'est la révolution. Chess 24 est votre rendez-vous en français avec le jeu d'échecs. De bons moments pendant lesquels on apprend, on se divertit, on suit les grands événements, on échange avec les plus grandes stars des échecs francophones. Des centaines d'heures de leçons en vidéo sont disponibles de manière illimitée. Être dans la tête du champion du monde, apprendre ou réviser ses classiques avec les meilleurs pédagogues, atteindre l'excellence grâce aux légendes de l'entraînement, il y en a pour tous les niveaux sur Chess24. Tous les domaines sont abordés. Les ouvertures, les finales, la compréhension générale du jeu. Et pourquoi ne pas progresser aussi dans les autres langues du site Toutes les vidéos sont accessibles à nos membres premium. Avec l'utilisation de la base de données de plusieurs millions de parties et un logiciel d'exercice performant, vous pouvez aussi vous challenger et mesurer vos progrès. Appartenir à la communauté Chess24, c'est aussi avoir la chance d'affronter très régulièrement les vedettes du site et les stars mondiales devenez premium chess 24 et vivez une expérience unique. nous allons étudier la partie la plus célèbre de l'histoire, la célèbre partie donc de l'opéra entre morphy et en consultation le duc de brunswick et le comte d'issoire. cette partie a été jouée à l'opéra de, de paris. Durant l'opéra, Morphy jouait dans la loge du duc de Brunswick et le comte d'Histoire jouait avec son son ami noble euh, en consultation. Il faisait pas mal de bruit d'ailleurs, paraît-il. Partie de 1858, Morphy à les blancs. Euh, vous voyez que les blancs ont joué les coups aujourd'hui les plus joués encore euh, au niveau mondial comme au niveau amateur et la défense philidor nous allons commencer l'étude des thèmes tactiques fondamentaux par l'attaque double euh, qui est le thème principal aux échecs, en général, euh, pour gagner quelque chose, vous devrez attaquer deux éléments à la fois, deux faiblesses. Donc l'attaque double consiste à attaquer simultanément euh, deux faiblesses ennemies. Euh, C'est un thème qui existe également stratégiquement. On appelle ça le principe des deux faiblesses. Mais là, euh, on va l'utiliser dans l'optique d'un gain matériel. Euh, on va commencer directement par euh, cette Position qui est issue d'un blitz entre Vachier la grave qui avait les noirs et Amine l'égyptien. C'est aux noirs de jouer. Est-ce qu'ils peuvent prendre le pion E4? Grischuk once described Joseph Dorfman's method as clearly the best educational book about chess. It's now available as a 9 hour video series at chess24. What happened in this game? My opponent played like everybody, he attacked the center. And now e4. Mm -hmm. This I played many times against Polvi, against Adrian. Nous allons aborder maintenant la question des motifs tactiques. Un motif tactique, c'est en fait le défaut chez l'adversaire qui nous permet de faire la combinaison. On a vu que le thème, c'était euh, les blancs et gagnent, thème attaque à la découverte. Comment les blancs réussissent-ils à gagner grâce à une attaque à la découverte Donc là, pas de difficulté. Mais ici dans le motif, on s'intéresse au défaut de la position euh, chez l'autre qui va nous permettre de réussir en tout cas d'espérer réussir une combinaison donc on va arriver à et je suis de retour et je vais te montrer cher Sebaen comment tu pouvais gagner la pièce c'était euh, une erreur euh, vraiment bête de ma part c'était là tu pouvais faire quoi je peux pas bouger les pièces tu pouvais faire tour prend f2 reprend f2 et tour 2, échec. Pourquoi je peux pas bouger les pièces Ouf, pardon. Et tour 2, échec. Et tu ramassais. Tu ramassais euh, le. Le fou Voilà. Pourquoi je peux pas bouger les pièces du coup Ça, c'est bizarre. Alors attendez, je vais aller dans. Euh, mes parties OK Alors non Ça c'est bizarre Pourquoi je peux pas bouger les pièces Non, je peux pas bouger les pièces. OK. Faut que je, je signale. OK, allez. En random Sco Mike, ah ben on a déjà joué. Non, je l'annule. Je prends plus les joueurs que j'ai déjà joué. Partie annulée. Pixou, on n'a pas joué. 0-0. C'est marqué en haut, on n'a pas joué ce soir. Voilà, que tout le monde puisse en profiter. C'est quoi C'est du 3-0 du coup Je me ferais bien une partie de random si tu veux, Sergei, après. Ou si quelqu'un veut faire. Ou trois échecs Je suis bon ou trois échecs Est-ce que quelqu'un connaît les trois échecs Faut faire trois échecs. Le premier qui fait trois échecs à gagner, Pour si ça marche. Là, je prends. Ah, papa, 1, 2, 3, 4 à défier en chess 960. Ok, bah on essaiera après alors. En quelle cadence oh, moi, Je peux le voir, hein, Marc. Euh... En 3 minutes Waouh Ça, c'est ambitieux comme truc. En 3-0. Ebden. J'ai déjà regardé ce truc, mais quel. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est Il en connaît des trucs, Eisenberg. Il connaît ses classiques. Hein. Fressini Ebden, exact. Isle of Man 2014. Mon cher ami Heisenberg, où j'ai partagé quand même la première place euh, avec Hari Krishna et Sargissian. Alors Kd7, ok, on va faire Dame d2 et ça tient la route hein, toujours, je crois, ce système. <laughs> Amory, 35 ans, c'est jeune, Dixit Laurent. Non. Je sais plus quoi dire là. Je mets un jingle, tiens. Bonjour. This is FM Dr. Pippo, from France. T'as une petite idée avec les Noirs, mais montre-nous Eisenberg. Montre-nous ta petite idée que je la réfute. Oh, ça serait marrant, ça serait drôle de, de réfuter à Heisenberg. Hein. OTB, comme on dit, comme disent les jeunes. Est-ce que ça veut dire OTB, euh, Heisenberg Un peu mieux blanc, c'est sûr, oui. Oh bah tu vois, tes petites idées, dis c'est vraiment pas méchant. Là, j'attaque le pion et j'attaque le fou. Et il me prend le pion. Ok, je vais prendre ici d'abord. Et ensuite, je vais simplement reprendre ici là, sa structure en lambeau. Et il va certainement perdre ce pion en D6. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Over the board. Eh oui, exact. Un peu mieux si tu trouves dix fois le meilleur coup. Mais quel chanteur cet Eisenberg Quel chanteur Alors il est terrible. Ça y est, la tremblote arrive. J'ai trop chanté. Oh là, là Ça, c'est pas à Limoges que t'as appris à chanter comme ça, hein. Comme <laughs> dirait ta dame. Je, te, je pique la vanne de ta dame. Parce qu'elle était très très bonne quand même. Cette vanne. Alors. Il menace tour FD8. Ok, j'ai compris. Tiens, je vais jouer un coup... Euh... Si je fais un coup comme ça. J'attaque le cavalier. Et sur dame prend à 2. Je veux faire fou prendre 5. On me 2 me semble être quasiment le seul coup KIB7. Non. Non, ça ne passe pas KIB7. Ok, 3021. Rod to. Euh... Allez, on tente un petit. Euh... Je tente une petite. Une petite euh... Ah! Ok, un petit random contre papa. Allons-y. Ah, il joue le centre, hein. Bien joué. C6, ok. <coughs> du coup, je peux faire petit roc, mais pas B5. Ok, je vais prendre un b5. Ah oui, non, ça c'était pas hyper bien vu de ma part. Fous c7. Mais là, je fais des 4 quand même. Je suis plutôt content, non Je crois en tout cas. Euh... Je suis assez content de moi. On va faire cavalier e2. On va essayer de faire coulisser la tour. Par. Je vais prendre d'abord. Et ensuite, on va faire coulisser la tour par là. On va empêcher tour d8. Et comment je fais pour rocker C'est le moment, c'est le grand doute là. Ah, le rock marche. Il peut faire le 4, mince. Ah mince <laughs> Je me suis fait avoir. Aïe Ok, je peux faire ça, peut-être c'est pas si clair. Et KC6 raté par notre ami papa. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Ouf. Ouf, il y a tour des 8 en plus à la fin. Tour prend, fou prend, dame prend, et tour des 8. Je vais être obligé de faire petit rock un coup comme ça. Mais ça risque de pas aller loin, tout ça. H5 pour faire g 4 pas mal. Évidemment. Un, un coup tout mou. Évidemment, hein, je calme le jeu. Dame 7. Ok, je vais faire ça. Ok, je vais faire ça. Tout avec tempo ici. On commence à être pas mal dans celle-là. On va prendre. On va faire ça. On dirait qu'il est allé chasser euh, le requin avec un cordon. Et Oui, l'attaque de papa qui s'essouffle quand même assez rapidement. Ok, un échec. Et ton h6, on va venir là. Ok, d 6. Ok, du coup, je fais dame c7 ou quelque chose comme ça. Ça, sur tour g6, j'ai dame prend g3, je reviens juste à temps. Et sur n'importe quel coup qui défend ce cavalier, je prends quand même parce que j'ai la fourchette ratée par papa. Oh là là, quel désastre! C'est incroyable! Dur C'est random Résilient ouais, mais ça suffira pas. Alors, Ajax Ah, opponent disconnected, ah, il est parti tout à l'heure. Il est parti, Ajax. Ok, bon mais si Ajax est parti, eh bien on va annuler sa partie. C'est <laughs> aussi simple que ça. Hein. Wild well Dawn, bah, on n'a pas joué encore ce soir, c'est une certitude. Allez, ah, va dormir, papa. Eh ah, oui, c'est l'heure. hein. C'est l'heure, les enfants. Ah, Limoges. Euh... Limoges, tu dors à quelle heure, toi Quand t'as pas d'exposé. Ah, c'est les vacances, là, en plus. Ouf. Allez, une petite Hollandaise volante, tiens. <laughs> J'ai pensé que tu bluffais. Non, je bluffe pas, Jules. Alors, E3. Euh, comment ça se joue ça C'est 5, puis on prend dame à 5, puis on prend des 6 cavaliers au 4, ça marche ça Non, je sais pas. On va faire ça. En vacances je dors pas nous dit Heisenberg. Waouh, quelle rebelle. J'adore. Incroyable. On va chasser ça un peu. Pour voir comment ça se passe par là. C'est fou, c'est devenu une légende hein, ce truc à Limoges. Hein. Alors je vais faire ça. Et maintenant, on va prendre ici. Et on va jouer cinq. 5. Pourquoi pas, tiens Oh là là, c'est bien la Hollandaise volante finalement. Hein. Incroyable ça, hein. <laughs> J'ai pensé que tu Oh bah F4, allez, on y va, hein On fonce Pourquoi pas C'est une aubaine. Mais oui a raison, est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont reconnu la voix Qui se cache Derrière le C'est une aubaine. Enfin, Krusty, évidemment, Krusty, c'est lui qui a fait le jingle. Donc, euh, lui, il a reconnu, c'est sûr. Non, Wims, ne t'enflamme pas, Wims. C'est la nouvelle zone de jeu. C'est un élo différent de l'autre zone de jeu. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai pas perdu de points. Pas spécialement. Pas plus que d'habitude. Donc, euh, voilà. C'est juste euh, C'est une nouvelle zone de jeu. Je remets. C'est une aubaine. Très très dur si on connaît pas. Hein. Oh bravo, il est fort, Eisenberg. Mais qu'il est fort cet Eisenberg mais alors. Ouais, c'est très très bas, ouais. Ça m'étonne pas. Attends. Je fais ça en direct. Hein. Périphérique de capture. Non, mais c'est à fond, ouais. ouais est, euh, il est un peu bas ce jingle. Alors on peut pas être bon partout, hein, Krusty. Euh... Effectivement. Euh... Euh, on fait de très bons, très bons articles, mais euh, c'est un, un peu bas ouais, effectivement par rapport aux autres jingles. Mais j'y peux pas grand chose. C'est le rating qui est bas. Ah d'accord, c'est pas le jingle. Non non, ne sois pas désolé Krusty. C'est déjà très sympathique de ta part de, de m'envoyer ça. Mais c'est vrai qu'il est un peu bas par rapport aux autres. Pas hein, il est très très bien. C'est une aubaine. C'est une aubaine que j'ai su saisir ce jingle. Ah, effectivement, c'est possible que l'interview était aussi euh... basse parce que je sais pas où il a été pris. Il a, été pas... Il a pas été pris sur Chess 24 celui-là. Ah, bah tiens, si c'est une interview, euh... j'espère qu'on a les droits. Ouais, je vais l'utiliser souvent en plus celui-là. Je vais en changer là, celui-là il est pas bien. Celui-là il faut que je le change. Parce que j'utilise jamais. Ça y est, la tremblote arrive, j'ai trop chanté. Parce que je, je, je suis toujours bien avec vous. Et euh, celui-là aussi du coup. Ouais, c'est ça, de ça de toutes de, tout, tout des positions qui impliquent les mauvaises positions, euh, en fait je devrais pas les mettre. Hein. Ça, ça... me ressemble pas. On va faire ça pour faire... Oh, un petit échec tiens pour voir. Oui en plus je peux prendre ici. Ouais, C'était... L'échec pour voir était pas mal. Aucun problème c'est dans le domaine public. Bon après Léo est râleur, oui mais pas avec moi quand même. Un vieil ami comme moi, il oserait pas râler. Et puis je le prends pas au sérieux quand il râle. C'est une aubaine Alors... Euh, Allons-y. Frozzy j'ai une nature un petit peu flemmard, donc c'est-à-dire que tout seul j'ai jamais vraiment bossé. Il est parti avec ses 18 challenges. Ah, il est là! Il est là, Frozy! Il est là! Allez, Frozy, hein! Compte sur toi! Hein. Tu es l'héros! C'est toi! Tu es notre dit ce soir! Le Frozy Show! Il me dit une vieille. Une vieille. Une. Quoi s'appelle ça? C'est pas une vieille indienne? Ouf. Bon, là je suis obligé de faire ça. Je reprends vers le centre. Je vais pousser des 5. On le fait. Je menace de pousser des 4 maintenant. Vraiment. Il a envie de perdre en 20 coups, notre ami Frozy. On va pousser, tiens. Cavalier E4. Oh non! C'est génial. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma souris? Je sais pas ce que je fais avec ma souris, mais à chaque fois, il y a un truc qui se passe. Viens, Francia nous dit Justin. Hola, amigo. Ça s'appelle vieille Benoni. Une vieille Benoni, ouais. Je voulais jouer une vieille Benoni. Exact. Maintenant, ça s'appelle une Benoni du riche, ouais. C'est ça, t'as tout à fait raison. Alors évidemment, K prend c 5 n'est pas possible à cause de l'échec. 1 ah, à 5. Oula, E3. Ah, je rock. Ah non, pas sûr. Ou alors je fais Dame à 5. Dame à 5 a l'air pas mal. Petite finale. Petite finale, a priori. S'il si fait Roi E2, est il est a... allé chasser euh, le requin avec un cordon. Ça sera Jingle, hein, s'il si fait Roi E2. Je prends. Et de toute façon, je vais prendre ici. Si on prend, puis on prend le 3 J'encaisse B2, il me semble, mon cher ami. Ah, faut pas laisser traîner ici. Ouf, ouf. Quel joueur. On va faire ça quand même. Il me laisse fou des 4. Ça ne va pas du tout. Eh oui. Pourtant, je l'ai prévenu. Pion de plus, paire de fou, roi. Bien, au minimum, dans les courants d'air. On va faire... Euh... Bon, allez, on rock tant pis. Fous C4, c'est vrai que je... je, je... Il gagne du temps en faisant ça, mais bon. Ok. J'ai tellement bien que je peux me permettre. C'est complètement fini déjà. KD6, menace cavalier F7, ok. On ne peut pas dire que ça soit le... la chose la plus discrète que j'ai vue de toute ma vie. Et qu'il prend C8 aussi. Mais quand même, ouais, c'est pas idiot. Est-ce que je fais G6 Mais du coup, il prend, prend, tour prend B7. Ah, j'ai cavalier A5. Ah, il n'a pas de chance. Ah, j'ai du bol, hein. J'ai un jingle avec j'ai du bol. Je vais peut-être le changer. H4, ça c'est optimiste mon garçon. Ça c'est très optimiste. Ça te ressemble. Ça te ressemble tellement ça. Ce coup te ressemble, H4. C'est fait pour toi, je pense. H5, je fais G5. Bah, se Fou G4 ici, je voulais pas donner B7, c'est ça le truc avec sa tour. Je voulais pas qu'il joue par là. Fou des 5 je fais Fou des 7 j'ai pas vu ce qu'il y avait de mal ici. Ok, il veut prendre et tour C1, mais j'aurais un truc là, c'est pas possible. Okay, je vais prendre ici. Et sur tour C1, je vais prendre F2. Ok, mais F3, c'est trop lent. C'est trop lent, mon cher Frozy. Ouais, Quoique, c'est pas si clair. Hein. Je joue pas au mieux cette partie. Bon, il a plus de temps, je vais le flaguer. On passe aux vrai échecs. Maintenant, on flague. C'est sur, euh, sur cette zone de jeu où je t'ai adopté, mon petit Frozy. Oh, ça me rappelle des bons souvenirs, tiens. Oula, que c'est mal joué son truc. J'encaisse tout. En plus, je menace de venir là avec la tour. Peut-être échec. Non, je, je refuse de l'annuler. Et hop. Non, tu veux pas que je t'adopte encore sur cette zone de jeu. Frost. Avec qui je n'ai pas joué. Il est déconnecté. Donc il n'est plus là, a priori, Frost. Tu n'es plus là, cher ami. Ok. Donc du coup, on va faire au random. Youp ah qu'on voit souvent. Ah mais les oh, est déco. C'est moins marrant, random. Magnus the best qui est déconnecté. Oh bah ben, décidément. Euh... Alors. José Moya. T'as la poisse Ninimus, hein Toujours pas pris avec tous ces gens déconnectés. Je te vois là dans les, dans les défis. Ah, Nimous, il est à poisse. Hein. Ça fait une heure qu'il a un Very Strong Player aussi. Oula, Lucie qui nous sort les références à la, à la Sienna. Mais en y réfléchissant, c'était contre Smyslov et non contre Tal. Wow. Alors, comment ça se joue ça On va faire chez 3, tiens. L'option random ne devrait pas concerner sélectionner des noms connectés à régler par les développeurs. Je note. Intéressant. Alors random. Déjà random, on peut s'inscrire plusieurs fois. Je fais un rapport moi après. Hein Vous croyez que je bosse pas. Random. Une seule fois. Et euh, que, les joueurs que les joueurs connectés. Ok, c'est noté. Tu as tout à fait raison. On va faire ça. C'est vrai que c'est un peu stupide ouais, quand les joueurs sont plus connectés. Effectivement. Comment ça, on voit rien sur ce qui est marqué à droite À droite de quoi Comme ça, on voit rien sur ce qui est marqué à droite. Ah, mais j'ai fait exprès, hein. c'est moi qui ai coupé l'écran. Hein. Bien sûr que c'est un moment de détente, mais c'est vrai que c'est mieux de pas jouer des. C'est si nos champions jouent des, des joueurs. Euh déconnecté, euh, c'est vrai que ça, ça, ça... Alors comment je fais là Pff, Ils jouent bien moi, ils sont forts, ces Espagnols, hein Moi je vous le dis, hein Métonne qu'ils nous battent. Métonne pas moi. Alors cavalier F6, je vais venir en G2, en F3. En F3 peut-être. Si si on voit le nom des joueurs. Comment ça je comprends pas. Bien sûr qu'on voit tout. Hum. Je sais pas quoi faire. Tiens je vais faire ça. Cavalier okay, F6 ok. Bien. Faut que j'accélère là quand même. Bon, je vais prendre. Hop. Quand on sait pas quoi faire, on prend. OK. Je vais là, je double. Bon, moi je prends la colonne maintenant. C'est un petit peu. Un petit peu, Dame des Trois. Évidemment, je vais aller là. Je vais le forcer à s'affaiblir comme ça. Oh Mais que c'est pénible euh... On va faire ça. On l'ennuie un petit peu là. C'est pas évident. Parce que je vais aller là. Je commence à pas trop apprécier, nous dit. Euh, ce truc de random nous dit Very Strong Player. Ouais. C'est que... <laughs> C'est drôle pour ceux qui jouent en premier. Euh, sinon, c'est pas drôle du tout. Ouais. Effectivement. <laughs> ça, tu le prends avec humour. C'est incroyable. Alors, on va faire ça pour voir comment il veut faire. On a bien fixé tout ça. Et ok, pas évident ici. Il joue quoi Là je vais prendre et venir ici. Ah il m'attaque de pion, mince. J'ai réussi à la perdre cette partie. Hein. Ouf. Pourquoi il a pas pris là Ça reste un mystère Ok, j'attaque C6, alors quand je fais là Je fais B3, par contre... Ouf À la pas de vitesse Oh là là, José Moya, déposé sur place par le grand Zlatan. Eh oui. Oh non Pas le droit de faire ça. JBM, Jean-Baptiste Mulan. Et hey, bonjour. J'ai Kemat déconnecté. Tu as tout à fait raison, mon cher Christy. C'est euh, tout à fait euh, tout à fait euh, pertinent, hein, ta remarque. Alors, Léo Belge. Allons-y. Allons-y. Ah, le primove, ouais. Mais euh, le point de vitesse, quand même, hein. Je suis meilleur sur cette euh, zone de jeu. Je suis plus rapide. C'est le, le Zlatan nouveau qui est arrivé. T'as challenge sur la zone de jeu Ouais, Phoenix, t'es là. Mais c'est random. Alors, on va tenter de jouer une. Rider, enfin, c'est quoi le, Léo Belge, il nous a fait du, du 4 minutes. <laughs> c'est là, vraiment. <laughs> pardon, pardon. Salut amical à nos amis belges, évidemment. <laughs> Mais il faut quand même 4 minutes. C'est des truc que personne ne joue. Euh. Ça, ça, ça me fait rire bêtement. Je ris bêtement. Et je peux le regretter. Ça ose me mettre 600 secondes quand je flag. Non, ça dépend. Euh... Ça, ça dépend, euh... Eisenberg. C'est ton, ton commentaire dans le chat. Tu sais très bien, Eisenberg. <laughs> Un petit côté fleuri gay, ouais, c'est ça. Alors peut-être, ah, mais peut-être je pourrais le mettre. Ce... Je suis pas complètement, euh... complètement. Je t'ai mis un nouveau jingle, mon cher ami euh, jb Je t'ai remplacé le jingle, mais juste parce que j'ai un peu tout écouté. Le alors peut-être est pas mal. Mais le truc ton conseil confinement, euh... ton conseil confinement est quand même euh, pas, pas mauvais. Je le passe, je le passe. Je n'écoute que. C'est trois mois. On peut voir une personne dans la journée quand même, non ah euh, oui, une personne, oui, mais pas Jules. Ouais. <laughs> C'est bien vu. Et ça tient toujours. C'est ça qui est beau. C'était il y a un an, mais ça tient toujours. Et dans deux ans, peut-être, ça tiendra encore. On ne sait pas. Conseil. Assez simple, finalement, mais. <laughs> qui a une certaine. Qui assez bien vu. Alors, comment on fait Est-ce que je vais lui prendre ce fou avec. Oh Non mais c'est une blague. Mais pourquoi ce clic droit C'est terrible. Ah. Ce clic droit à chaque fois me, me perturbe. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Bref. Je vais faire un rapport de, de 18 pages à nos développeurs après euh, une heure de stream. Pouf, ça va être long, je note. Clic droit, ça va pas. On clique droit, il y a un truc. Pourtant, ma dextérité à la souris n'est plus, plus à démontrer. Ouais, je peux pas empêcher de prendre les fous, ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai l'impression que mon fou rayonne. C'est ça. Non, pour une soirée test, parce que je me suis dit ce soir on va la faire en mode détente. Genre on teste OBS et la zone de jeu en même temps, comme ça au moins rien ne marche. Et puis euh, voilà, on passe au suivant, on voit ce qui n'a pas marché, enfin on essaye. Et puis finalement... Euh... Et finalement... Et finalement, euh... <laughs> et finalement euh, ça marche bien. Pourquoi la nouvelle zone de jeu montre aussi l'historique YouTube Pourquoi c'est quoi la blague Je pas compris. J'ai pas compris la. J'ai pas compris la vanne, là. J'espère pas, en tout cas. Que hein, ça monte l'historique YouTube. Hein. Je sens qu'on est pas sorti d'auberge. Si, 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 et l'auberge elle commence à se rapprocher, là. à <laughs> Moi non plus. Ah, vous êtes pessimiste, ça vous êtes venus des grands pessimistes. Faites comme moi. Faut y croire, j'y crois, même, même quand ça se passe mal. Ah et non seulement il joue mieux, mais en plus il me flague. Merci José. C'est normal que je comprenne pas Ah non mais rentrer dans la zone de jeu, ça c'est pas très dur, par contre. Parce qu'en fait. Ah oui, d'accord. Parce que quand vous avez vu sur un. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai des, des petites fenêtres ouvertes. On va fermer tout ça quand même. On sait jamais. La dernière fois, j'ai eu une mauvaise surprise quand même. Enfin. Alors là, ça ne va pas. Parce qu'il y a le clouage. Tout simplement. Alors, tout reprend. Et il va y avoir Dame prend ses 5 échecs qui est joué... Ah Il y a Dame prend jeu de maths Il était pas mal aussi, pour connaître. Allez, je reviens. S'il a pas vu une fois... <laughs> j'ai pas, pas fait ça parce que j'ai pas dit ça... Enfin, je me suis rendu compte quand j'ai dit s'il a pas vu une fois. Euh, je me suis rappelé que notre adversaire était belge. Laurent voudrait gagner toutes ses parties, bah oui normal normal tout ça on protège on attaque ce pion va-t-il le voir et il l'a vu une fois et roi g7 alors est ce que vous voulez pas faire pour la fin du stream là je vais pas tarder qui a envie de jouer aux trois échecs ou aux... qui, veut, qui, veut, qui veut me défier un peu aux trois échecs vas-y heisenberg je suis très bon aux trois échecs On va montrer. Alors le principe, c'est de faire le premier qui fait trois échecs, il a gagné. C'est assez simple. Alors j'attaque la tour. Et de bon, toute façon, j'ai trop de matériel en plus là. C'est complètement terminé. Tour F1. Je sais plus quoi faire. Tellement je suis gagnant. Bon, on va faire ça. Et. Attention, menace. Échec, échec. Merci. Merci pour la partie. Allez, accepte random. Hop. Oh, déjà joué avec lui. Déjà joué. Le pauvre Very Strong Player, là. T'as la poisse, hein, Very Strong Player. Hein. T'es jamais pris. C'est terrible. <laughs> J'adore. Non, toujours pas. Les mecs sont pas là, ils sont pris, toi t'es pas pris. Allez. Pour prendre, pour prendre Very Strong Player en dernier. C'est génial. Et merci. Merci pour la partie, Léo Belge. Andrew. Andrew, keep remove. Alors KC3, ok là on peut faire le coup euh, logique c'est prend 4 C'est très connu si vous d'ailleurs je crois que ce sera peut-être le prochain show à moins qu'il y ait un match des communautés dimanche mais euh, le lundi vous avez cours avec Joachim 2000 à 2400 Hello Donc euh, n'hésitez pas à regarder si vous voulez faire des progrès notamment ce genre d'italienne, c'est discuté KC3 est pas bon normalement à cause de justement ce K4 suite des 5 Bon là il fallait pas euh, des 3, c'est dommage. Ah, c'est du 5 plus 10 là Ah ouais, bah écoute Emmanuel, et je crois qu'il est nouveau, il est quand même assez nouveau Emmanuel, j'ai dit que pour ce soir hein, c'était la cadence qu'on voulait. Pour que les joueurs euh, voilà, prennent un peu leur temps. Alors c'est vrai que tout le monde ne peut pas jouer, mais bon. Alors, je crois que je vais réussir à prendre tous les défis là. Sauf celui de Very Strong Player qui a, qui a la poisse qui, même je pense qu'il quand il sera tout seul, il n'arrivera à, à, à pas être choisi. Je prie Move quand 5 plus 10, oui c'est ça ta dame. Ouais alors je sais pas, hein, je sais pas, hein, j'attends la réponse euh, de nos frères espagnols. Y'a Berserk sur la nouvelle zone de jeu Pas encore. Bientôt jeudi, non, je réponds jeudi. J'aime bien répondre jeudi. Je sens que tout va sortir un jeudi. Alors, mais il prend pas son temps. Il joue à 5 plus 10, mais il prend pas son temps. Il a perdu une pièce sur le clouage. Ouais, mais là ça va pas du tout pour Emmanuel. Je vais simplement faire ça et ensuite. Dame prend et ça va être compliqué à empêcher cette histoire, si je peux me permettre. Pas encore, ça se voit trop quand tu pipotes, Laurent, mais je te permets pas, Maury. Je ne mens jamais. <laughs> J'ai pensé que tu bluffais. C'est une aubaine. Je viens là. Et j'attaque le pion. Dame D7, dame prend 3 Primo si t'es un vrai. Allez, je suis un vrai Allez, réfléchis maintenant Non, Emmanuel, dommage Cette Histoire de clouage... Bah déjà, le pion, ouais, effectivement, il faut faire... Euh, il faut faire cavalier-prend, c'est quand même le moins de démo, là. Cavalier-prend... Qu'est-ce qui s'est passé, là Je ferme la partie... Ok. Allez, j'en fais encore deux ou trois C'est ben, que j'ai déjà joué. Bon, mais bah, je ferme. Désolé, c'est ben, mais... Il y a Very Strong Player qui attend. Non, mais t'es vraiment noir. T'es vraiment poissard. Hein. Ah Enfin Tu vois que ça vient finalement. Very Strong Player. Mais il n'y a pas de coup. bah ben oui, Max Chess 67. C'est pour ça que j'ai fait le primo. Alors, Very Strong Player. Qui est là Qui a sa partie Il joue quoi, Very Strong Player Il joue des Nidorf Contrôle de la casse B4. C'est la principale idée de A3. Hello, Casper! E6, CG4. C'est une sorte de kérès bizarre. Et on envoie H4 maintenant. Et dame des deux grands rocs. Et ça va pousser. Ok, grand quand même. Et ensuite F4, je suppose. F4, F5, quelque chose comme ça. Ouais, ça paraît. Euh, les Keres, hein, c'est dur à jouer avec les Noirs. Hein. Quand on voit cette marée de pions arriver, ça paraît toujours très compliqué pour les Noirs. J'aime pas du tout, en tout cas. On va faire ça. Mais je voulais pas jouer moi, France-Espagne. Lucie, ne sois pas. Euh... Ne sois pas de mauvaise foi. Tu le sais très bien que je voulais pas jouer. C'est eux, ils vont forcer. Ils y sont... On va se méfier, hein. Les Espagnols, je me... je me méfie pas à chaque fois. Je trouve sympa, tout ça. Je me dis, euh... Finalement. Euh... Et en fait, euh... attention. Hein. Qu'est-ce que je fais là Hum. Mmh, KB3 ou pas? KB3? KB3 a pas mal. On va faire ça, prendre on la, la colonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh boy! J'adore. Alors, mais parti. Pauvre Very Strong Player. Alors qu'il a attendu toute la soirée. Mmh, Dame à 5, menace tour prend C3? Non. Est-ce que j'ai pu en prendre, donc ne menace rien à ma 5. Hum. Il fait des vannes, hein Il fait des vannes à Heisenberg maintenant. Bah oui tout a pris. Je sais pas où lui a appris ça, faire des vannes. Enfin bon. Alors, je vais... Ah non non, je veux pre-move, moi. C'est un coup interdit, c'est un coup pour Pierre. Alors, tour C6, qu'est-ce qu'il veut nous faire On va faire ça, H5, tour F1, tiens. On va faire F6, évidemment. Fou D8, il fait coulisser le fou. C'est pas idiot, ma foi. Il se débrouille, hein, le strong player. Mine de rien, on va faire ça, tiens. Je savais pas quoi des sorties. Ouais. Sacré Limoges. Mais oui, Limoges. Alors. Faut calculer. Ça c'est pas un truc qui me. qui me ravit. Ouf. Que C'est compliqué ce jeu. Moi ouais, je vous le dis. Hein. Allez. Je crois que je suis bien quand même prends prend Puis on prend dame prend, dame prend le 5, fou 7, dame b8, euh, tour C8, Roi D7, dame C7, roi D7, tour C7 et dame prend e 7. Alors Limoges, on peut me réfuter là ou pas Tu m'as défié Limoges ou pas Il me défie pas Limoges. Bon, je sais pas pourquoi. Un de mes derniers adversaires de... Mais t'as joué 9 parties à Barcelone, Heisenberg. Laurent joue-t-il vraiment tout à l'intuition Mais oui, Lucie. Tu crois quoi <laughs> Si je commence à calculer, ça va me faire prendre des mauvaises décisions. Donc je calcule pas. Alors, roi des 7. Ouf. Il y a une panique à bord. Euh, échec non ça c'est pas bon échec il y a dame prend dame prend tour. mais je peux faire dame c4 et tout protéger vous savez quoi je crois qu'on va pas se casser la tête et on protège cette fameuse case a2 T'arrives arrives pas à dé arri oh qu'il est qu est sympa eisenberg je vais te faire une, une démo tu ne peux pas le croire et tu as bien raison lucie parce que si tu crois tout ce que je dis et tout ce que Jibé dit, t'es quand même, euh, es quand même mal embarqué, tu vois ce que je veux dire. Alors, je plaisante bien évidemment. Euh, échec. Échec. Ah il a plus que deux secondes, oh, J'aurais même pas le temps. Pouf. Quelle angoisse. Pourquoi j'ai fait ça oh, t'es ouais. tombé ouf quelle partie alors mon fils veut savoir si zlatan parle russe dak Kanyashna alors est-ce que ton fils est ravi de ma réponse ou pas Alors il n'arrive pas à nous défier, mais on va, lui, on va lui montrer. On va lui montrer notre ami Heisenberg. Regardez. Regardez. Hop. Hop. Jouer. Jouer maintenant. Partie personnalisée. Hop. Against User. On tape Zeton56. Ensuite, on, on, on choisit la cadence. Je sais pas, deux minutes. Deux minutes et deux secondes par coup. Tiens, par exemple, je vais te faire un 3-2 en, en 3 échecs. On va voir si ça marche. Pour rigoler. Heisenberg, je vais lui montrer quand même. Parce que le pauvre... C'est quoi Triple échec. Tiens, triple échec. En 3 plus 2, username, Heisenberg. Heisenberg, 87 000. C'est le... On va, on va me faire croire que c'est le... C'est le code postal de Marseille, peut-être. Alors, play. Et boum. Alors, vas-y. Et voilà, trois échecs. C'est parti. Premier arrivé à trois échecs, il a gagné. Ok. Type qui a rien compris d4, hein. Pff, fou b4 échecs. 1-0 et suite 2-0 après. Ok c6, ok. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc je sais même plus comment, comment ça marche ce truc. Voilà, fou c5, c'est embêtant. Mais je pense pas que ça soit bon de donner une pièce tout de suite. Non, non, euh, franchement, Casper, euh, je suis pas, non, je, je, frimais, je frimais, hein, je frimais hein. mais euh, bravo à lui. Je, je frimais, je suis pas, je, je parle mal, je parle très très mal. J'ai des, euh, je, 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 je baragouine, hein, je peux pas dire que je parle vraiment, voilà. Mais c'est très bien, les enfants bilingues, c'est super. Alors, tiens, on va pousser, ah ben Eisenberg. Tu prends l'eau, mon vieux! Ah, tu sais, hein? C'est pas parce qu'on joue aux trois échecs qu'il faut faire n'importe quoi. Ah, mais je me remets sur le. Sur ça, quand même, vous voyez mon. Mon visage ravi quand je suis en train de battre notre cher ami Heisenberg. Alors. Comment ça marche, ça? Pas si mal joué, son truc, finalement. Alors je vais faire ça. On est quand même pas mal dans celle-là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une bonne position Eisenberg. Alors je peux faire ça quand même. Pour commencer. Oh, je vais avoir un échec qui va pas tarder moi. On va faire ça. On va ramener la, la cavalerie si tu m'en veux pas. Et si je te mate, Heisenberg <laughs> Ça compte ou pas Matt, je gagne Je perds Qu'est-ce qui se passe Je crois que Matt, ça gagne aussi, non Alors F5, ok. Alors... Hum. J'ai toujours pas d'échec, moi. Hum... Il se défend pas si mal. Hein. J'aime pas ça. Ok, c'est ça, j'aime pas. Bon, mais je joue quand même. Je vais essayer de faire damage 3 qui prend H7, un truc comme ça. Son fou est quand même pas terrible ici. Hein. Le fou de Limoges, on va l'appeler. Euh... Bon, j'ai fait ces échecs ou pas là Ça m'énerve Comment ça m'agacer ce truc Pas possible, hein il jouait, il jouait... Oh Je donne le pion Ah non, hein. je... je veux pas perdre contre Limoges, hein Pourquoi je suis un espion Non mais qu'est-ce que je fais En fait. Qu'est-ce que je fais Ouais, tiens, on va gamble. Bon, je vais faire cet échec ou pas là c'est bien joué, mince. Ah, ça peut faire un échec zéro. Un, deux. Je ramène la tour après. Je suis pas bon hein. Ha Sacré Heisenberg. Heisenberg avec un roi comme ça Franchement Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Maintenant. Un... Euh... On va s'occuper de toi quand même. Et Adam G6, vous me direz. Oh, tu sais quoi, on va faire pour rigoler, hein, Eisenberg. Allez pour rigoler. 1, 1, 0. Ah non, mais qu'est-ce que je voulais faire N'importe quoi. C'était peut-être complètement crétin ce que je viens de faire. Ok, on va faire ça quand même. Pourquoi j'ai donné cette pièce c'était pour rigoler mais bon Eisenberg on n'a pas envie de rigoler hum... tu n'es pas drôle Eisenberg alors oh, on l'aime beaucoup Eisenberg évidemment il peut me faire prendre g 3 là et 3h6 ouais ah c'est mal joué ce que je fais hum... pas Comment ça se terminer cette histoire? Par contre, j'ai 29 secondes. Faut que je me dépêche à aller faire ces échecs. Je dois pas être bien en fait, même si j'ai un échec d'avance. Mais il a la pression, hein? <laughs> il bouge pas trop, hein? J'aurais plus qu'un échec après. Non! Pourquoi j'ai fait ça? Deux. Ça, c'est du Zlatan, ça. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien joué! Fanny! Fanny, mon petit Limoges! Bam, 3-0. Merci, merci. Euh... Bon voilà, vous avez vu un... Hein merci, euh, je sais, je sais. Euh, Eisenberg qui me dit euh, bien joué, mais je, je le sais, <laughs> cher ami. Euh... Voilà, C'était marrant. Ouais, non, c'est marrant. Euh, voyez, donc vous avez une petite, une petite leçon de trois échecs. C'est très sympa comme jeu. Bon, j'en fais une petite dernière et puis euh, on va se coucher pour aujourd'hui. Euh, allez, Accept random. Qui sait que j'ai pas joué là. J'ai pas joué Keres95 qui apparemment est connecté. Les autres, j'ai joué. Allons-y, 5 minutes. Ce sera la dernière. Allez, Chess960 après. Je vais me coucher, oui, moi tu sais, c'est l'heure. Hein. Ah, pardon, faut que je joue aussi. Allez, Chess960 avec Sergei. Après, je vais me coucher. Très sympa ces trois échecs, j'adore. Surtout quand je gagne. C'est ça quand même, c'est quand même assez dépendant du résultat. Ça m'aurait beaucoup moins amusé si j'avais perdu. Alors, j'ai 6 ans, il faire C3. Donc, ça, c'est du 5-5. Ah, tu comprenais rien du tout à cette partie. C'est maintenant que maintenant j'ai réalisé que c'est du street check, ouais. Donc trois échecs. Mais le but, c'est de faire trois échecs. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que tu connais les règles Eisenberg Sur le fait que quand tu, si tu mates en fait ton adversaire, il se passe quoi Est-ce que ça gagne Ça perd Tu perds Je sais pas ce qui se passe en fait. Je sais pas, je me souviens plus de ça. Ah, si tu mates, t'as gagné! Ah! Pourquoi, évidemment? Ça pourrait être interdit de mater. Ah, si tu mates, t'as gagné! Oh, bah, ben c'est nul alors. Ouais mais bien sûr, mais comme il y a de la théorie partout, Heisenberg. Comme au parti A4. Partie A4, la Caruana, il joue toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais il joue pas mal quand même, Caruana. Avec... Euh, ils, ont, ils ont appris des théories et tout ça. Ça peut être marrant de se préparer, bah dis donc... Ah oh là, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore Qu'est-ce qui se passe en fait Y'a quoi là Ouais, rien en fait. Mano mano, hop, je reviens. Je me décloue. En Blitz à 4 avec Kiddy comme partenaire au club de Limoges, j'étais injouable, nous dit Heisenberg. Bah, c'est incroyable. Et c'est vraiment pas crédible en fait. <laughs> J'ai pensé que tu me le fais. Alors là, il s'affaiblit les cases noires. Et je vais lui montrer pourquoi ce n'est pas bon. Je fais fou g5, il va y avoir du kf6 maintenant qui arrive. Ok, dame fois 6. Bon, bon coup intermédiaire, pardon. Ah, j'ai pas trop de cas. C'est ça qu'il est en train de me dire. Ok, bien joué. Bonne nuit, Vitch. À bientôt, j'espère. Dame 3, je peux aller sur case noire. Dame F4, KD5, Dame C5. Allez. C'est pas mal sur case noire. Hey, Miktal. Ouais, Blitz A4, ça sera marrant, ouais, effectivement. Faire des tournois aussi. Oh, bah ça, tout le monde a joué au Blitz à 4, non, dans les clubs. À mon époque, euh, c'était très, euh, très à la mode. Je crois que ça, ça jamais, euh, ça jamais, ça euh, a toujours été à la mode, c'est ça, non Je sais pas. Je m'en pas compte, en fait. Toi qui es jeune, euh, Heisenberg. Ouais ouais, non c'est vrai ouais. Ah ouais, bouffe tout aussi, c'est marrant, ouais. Ah oui, il y a beaucoup de dérivés, ouais. Du jeu d'échecs, c'est assez marrant. Je sais pas, le trois échecs, c'est le celui où j'ai le plus accroché. Sans euh... Non blitz à 4 aussi, mais. Sans, sans être très bon en fait. Hein. Très honnêtement. Et j'ai mon pion en l'air, c'est ça Et je fais comment eh Bien, je n'en sais rien. Je fais pas, je crois. Je peux pas le protéger, ce pion. Ah, mais il y a la tour en prise Je commence à fatiguer, voyez-vous. Ah oui, c'est ça, une hein, journée intense. Hein. OBS, à fond les ballons. Mais ça a l'air de bien marcher. Ça me rassure. Mais j'arrivais pas à croire que ce soit au système d'utilisation, si vous voulez. Je me suis dit non non non, c'est pas possible. Non. Je peux pas je peux pas le croire. Je veux dire parce que je, je comprenais pas en fait la difficulté du truc. Et donc en fait euh, si si si. Comme quoi hein. passe fille hein. Ouf. Ouf ça y est, il parle des zones interdites là. En anglais. Oh là là, les zones fermées. Oh moi... Ah ouais, 600 secondes. Ah ta dame, ah ta dame, euh, c'est une bonne application pour passer au modérateur là, les 600 secondes. Ouais, je crois que ah j'aurais pu prendre n'importe quoi. Oh là là, les zones fermées, ça y est. Et ils veulent, ils veulent m'énerver. On va prendre ici. À cause de quoi Du keyboard C'est quoi le keyboard Heisenberg, fais-nous un cours d'informatique, s'il te plaît. J'y comprends rien, moi tu sais hein. Parler en français, hein. À cause du clavier, mais je comprends pas en fait. C'est quoi le problème avec le clavier Et quoi, il y a des joueurs qui utilisent ça, Heisenberg Waouh Oh, ça parle technique là. c'est bienvenu. Hein. Vie ma vie de geek avec Amaury et Heisenberg. Passionnant. Incroyable, mais c'est de la triche, Heisenberg. Je comprends pas ce que tu nous racontes là. Ah, ça compte comme de la triche, d'accord. Ok, bah c'est logique. Oh bah d'accord, hein. quel enfer alors. Ah oui, bah oui, c'est de la triche, oui. Ah bah celui qui me Ah bah ça me fera une bonne occasion de, de ban les gens qui me flag. <laughs> je dirais qu'ils triche avec le keyboard. <laughs> voilà. Ah c'est une bonne excuse ça. Euh, là, du coup, euh, il peut avoir un keyboard, ça va pas beaucoup l'aider. Euh, Qu'est-ce que je fais Bon, je sais plus quoi faire. Je fais ça, tiens. Je fais ça, je vais encaisser le pion. Ah, allez hop On va avoir le multiple pre-move hein. Allez dernière contre Sergei en random En random Allons-y Et j'ai les blancs encore Et c'est la même position oui, J'ai entendu parler d'un bug comme ça ouais. Ça met la même position ok Même endroit Aucune chance contre le keyboard Ça ça m'étonnerait euh, Heisenberg Ça m'étonnerait a bientôt Lucie, merci. Ah oui, là pour l'instant, ils... <laughs> c'est toujours la même position. <laughs> bon. Euh, ouais, il y a effectivement un bug euh, random. Ok. Euh... <laughs> Je note. Ah, quelle vie Alors, E3, le fou normalement n'est pas très bien placé. C5, ça a l'air pas mal. C5, il prend de l'espace. Il a bien raison. Est-ce que je peux pas faire F4 ici Tiens, pour rigoler un petit peu. faut le déstabiliser, Sergei. Hein S'il est dans son élément, ça devient compliqué. Le temps de latence de Tang inférieur Andrew non mais Andrew euh, laisse tomber il bat les bottes, Andrew il est plus rapide qu'un bot hier j'ai vu Reza contre Magnus disant ça joue bien euh, Magnus est meilleur hein. mais euh, c'est chaud en ambulette oh la vache qu'est ce qu'il joue bien quoi Pouf. je peux vous dire ça joue hein. c'est même euh... c'est délirant c'est juste délirant en fait à quel niveau il joue euh, Est-ce que je peux sacrifier Tiens, On va tenter. Il y a plus, on prend un 3 là. Que j'ai vu, mais que je laisse faire. Hier, c'était juste du délire. En une minute. Mais il joue hyper bien, quoi. C'est. Euh... Magnus, dès qu'il y a une position technique, c'est tellement affreux, quoi. C'est juste. C'est la machine. Il place tout. Euh... Alireza, aucune chance. Après, quand ça bouge un petit peu partout, euh... Alianza, et... il est parti. Bon, Magnus, a fait le double de points, je crois. Vivement qu'on les, qu qu les ait ces matchs sur notre zone de jeu, que je puisse les commenter en direct. On va s'amuser. Hein. Je peux vous dire, il y a eu 50 à 30. Et beau jeu, hein. Franchement. Et pas Des deux côtés, hein. Parce qu'Aliza il est pas manchot non plus. Hein. Sur Pion prend le 3, je vais faire fou des 5. Et prétendre que j'ai des compensations. Une dernière contre un nouveau premium. Qui c'est le nouveau premium C'est toi, Max Chess T'es nouveau premium T'es nouveau premium, Max Chess Bon, mais c'était nouveau premium, en plus du 67. Ça me parle. Nos amis du 67. Donc euh, ouais, c'était nouveau premium, ouais. Ah bah allez, d'accord. Ok, on... on fait ça, ça marche. Alors, c'était ça mon sacrifice de pion. C'est qu'est-ce qu'est -ce qu ça Fisher Random, Justine. Fisher Random, c'est on tire de manière aléatoire la position des pièces de départ, tandis que les pions restent devant. Alors là, je fais quoi Je fais tour prend, comme ça je peux faire petit rock, c'est ça Ouais, on va faire tour prend. 67. Le barin mais je sais bien, le barin. Je sais bien, je, je, je connais que ce, que ce département. J'ai déjà oublié. Je te remercie, Florent, c'est sympa. Hein ah, et non seulement il joue mieux, mais en plus il me flague. Ah, tu me prends vraiment pour un charlot. Hein bon, j'ai deux pions de moins. Je suis pas bien, en fait. Je suis juste pas bien. Bien sûr, je connais le barin. Je ne connais que ça. L'Alsace. Mais oui, l'Alsace. <laughs> je connais, je suis alsacien, moi. Je vous rappelle. Avec nos, nos frères. Nos amis, nos très chers de tu T'es même complètement raide. Oui, bon, mais c'est bon, Heisenberg, euh, on a compris. Ouais. Il y a 30 secondes, euh, Sergei, je vais le flaguer. Et là, j'ai un super piège. J'ai un super piège, mais je peux pas te le dire, Heisenberg. C'est que je vais faire KG5. Il va faire petit rock, il va se débrouiller pour faire petit rock, et bam ton point F6. C'est the, the, the Trick. The Trick of the Year. Dame D6. Ok, je viens là quand même. Ah, un en prise encore. Ouais, pas grave, il y a 14 secondes. H6, ouais, ça c'est bien joué. Pff, que c'était mal joué ça, H6 encore. Bon, faut que je flague Sergei. Bon, au moins, il m'ouvre une colonne de plus. On va dire qu'on a du jeu. Allez. On va faire ça. Hop, il a pas vu. Et hey, qui on est là Alors, Heisenberg, qui c'est qui raide là Hein Qui c'est qui est foutu là Hein Qui c'est qui est foutu Eh hey, oui. Ça tourne au vinaigre, hein. Ah pauvre Eisenberg. Pauvre euh, Pauvre Sergei. Ça tournait court. Allez, Max Chess, c'est parti. C'est parti pour notre ami du barin. Bon, oh, j'ai pas bien joué Sergei, mais bon, j'ai la chance. Allons-y, cher ami, Max. Il est libre. Hein. Allez. Normalement, la première partie de bienvenue, c'est un Gambit de Budapest. Hein. C'est toujours comme ça. Le Gambi, polonais, Faryovich, que j'adore, mais que j'arrive pas à prononcer. peut va pas... tout faire. Ok, bédédo. ça c'est une vente qui m'ennuie parce qu'elle est pas très marrante. Bon, c'est la dernière là, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Amory. Dodo après, tout le monde au lit. Oh, tu vas avoir des banters pendant le week-end. Week hein. Je pense que si vous regardez notre programme, évidemment en anglais, il y en a plein. Alors, on va faire ça. On va être le fou par là. Il joue solide, Max Chess. Ah, dame D5, là, m'embête. Ah, j'ai dame prend B2. Donc, ça va, j'ai de la chance. Hmm, J'ai plutôt envie de faire petit rock ou grand rock, c'est pas si clair. Ok, mais là au moins, petite, euh, petite concession au niveau de la structure. Je vais faire petit rock. Allez. Ça a pris là, le pion C4 quand même qui est un peu faible. Tour G1, G6 tout le temps, je suis pas trop inquiet. D'accord, ouais, je comprends. <laughs> Ça peut prendre pas mal de temps. Effectivement, à moi. Alors, D5. Rappel les candidats le 19, premier jour. Premier jour des candidats le 19. Ça va être beau au midi. Oh, on a tellement hâte. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Là pour le coup, euh, franchement. Caruana MVL, première ronde. Pff, une partie qui vaut un milliard. Voilà, une partie qui compte double, triple, je ne sais plus. Euh, je sais pas, tellement elle, elle, est, elle est importante cette partie. elle est, ce n'est pas seulement un point, c'est la, la dynamique, c'est le départage, c'est euh, laisser revenir euh, le, à des concurrents les plus dangereux, quand même, le numéro 2 mondial. Donc c'est tellement important de ne pas la perdre cette partie. Tellement important de, de bien rentrer dans le tournoi et de faire une bonne partie face à Fabi. Que, ouais, elle, elle vaut de l'or cette partie. Simplement. Elle est. Euh, Je sais pas. Je sais pas si elle est. Enfin, en tout cas, ça sera. Ce qui est sûr. Hein, c'est un truc de sûr. Ça sera la partie la plus importante de la carrière de MVL. Ça, c'est une évidence. Euh, au jour d'aujourd'hui. Clairement, il a jamais joué de partie aussi importante. Alors, je prends ici. Et maintenant, je fais quoi Je fais un peu ce que je veux. Tiens, je vais faire ça. Et ça. Et ça va être mat du coup. La nouvelle zone de jeu manque de fluidité pour le déplacement des pièces, tu plaisantes, Serge C'est beaucoup mieux que l'autre. Et ça sera mat. Et merci Max 67. Merci d'être devenu premium. Merci pour la partie. Et merci pour le soutien Et... Euh, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce stream un petit peu euh, expérimental, pour pouvoir tester euh, voilà, euh, ce nouveau... Ce nouvel outil, euh, ces deux nouveaux outils le logiciel de retransmission et aussi, enfin pour moi en tout cas et aussi euh, le... Euh, la nouvelle zone de jeu, voilà donc vous avez pu avoir un aperçu évidemment euh. Les développeurs, la euh, euh, affine. Bon, c'est pas, pas encore fait, hein, mais euh, bientôt, on espère. En tout cas, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être à dimanche, mais probablement pas pour un match des communautés. On vous tiendra au courant, sinon à lundi, avec nos shows réguliers lundi, mardi, mercredi. Et la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée.